Ah, c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir de retrouver mon setup aussi. Il m'a quand même manqué ce petit setup. Setup de l'amour. Bien rentré, plutôt, ouais, on a mis 9h45 à peu près pour rentrer. En faisant ça un peu à l'arrache au niveau des charges. C'est-à-dire qu'on pourrait gagner presque 1 heure si on était optimisé sur les charges, mais moi ça m'emmerde. Enfin, en gros, j'ai envie de m'arrêter quand j'ai faim, tu vois, et pas quand il le faut pile poil, donc voilà. Mais ouais. Alors, est-ce que c'est live ou pas? Alors, est-ce que c'est live ou pas? Voyons voir ça. Est-ce que je suis à la bourre ou on est bon? Oula! Ah, ça ramouille un peu du cucu. Ah, ça, c'est l'ensemble de Forest Land qui éclate le proco, classique. Je n'ai pas lancé le jeu depuis Babelwed. Voilà, c'est ça. On va voir. Parce que là, je lui en demande beaucoup, peut-être. Ah, c'est le retour mono PC. Une fois que le jeu sera lancé, ça devrait être bon. Ça a l'air déjà d'être bien. Ouh, ok. Alors, voyons voir. Parce que là, j'ai test 2-3 trucs. Il est possible que ça suffise pas. C'était pour le premier jour, je voulais tester des choses. Alors, le processeur se fait absolument anéantir par le jeu. Pas de problème. J'ai la solution au pire de le faire en GeForce Now, ça qui est bien. Non, non, c'est un game, on va paramétrer les choses en jeu. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Content d'être à la maison. C'est pas la bonne cam. On a eu une chier de merde technique, ce que j'ai dû lancer. On a dû aller faire les courses tout ce matin. Bref. Pas mal de galères techniques. New Battle Pass has begun. Ok. Donc la saison est officiellement lancée. On peut jouer. Attendez. Ah, le jeu n'aime toujours pas les alt tabs. Hein. Ah, le jeu n'aime vraiment toujours pas les alt tabs. Hein. Alors, attendez, je vais vérifier un truc. Alors, DLSS Quality, s'il vous plaît. Ça en ultra, oui. Gameplay, audio display plutôt. Ah, full screen, c'est ça. Full screen, non. Yes. Ça, c'est bien. Field of view, on l'améliore un peu. Caméra. Hop là. Frame generation on, tout à fait. Buffalo, t'es le pire. Oh, ça m'a manqué de jouer sur mon écran. Oh là là, si vous saviez. Ah, il est beau. Alors, le son a l'air un peu faible. Ça donne quoi ici? Ok, c'est pour ça. Voilà. Hop. Attendez. Ok, on est bon. Bon, bah écoutez, on est parti pour la... Ah écoute, je suis vaincu, Buffalo, qu'est-ce que je te dise, moi, je suis vaincu, c'est pas grave. I am vanquished, tu vois, c'est la vie, il faut l'accepter, hein. Quand on est vaincu, on est vaincu. Il faut accepter la dure réalité de la vie, voilà, c'est tout. C'est comme ça, Buffalo. Hop, alors. Sérieusement, ça a eu le temps de se mettre sous la chaise. Incroyable. Tac. Voilà. Ah oui, non, c'est dégueulasse. Ok. Je vais tester un truc. Paf. Paf, paf. Ah. Ok, donc il faudra... Est-ce que ça existe? Ça va vraiment me le falloir. Est-ce que s'il y a des gens qui ont les folds... Ah oui, là j'ai même perdu le compte. D'accord. Full bug. Allez, parce qu'il y a l'écho. Tant pis. Est-ce que vous savez si ça existe? Ah, attendez. Un dock pour Galaxy Z Fold. Je me demande. Je me demande. Ah oui, non, ça va être très pénible en fait le câble. Alors attends, on va faire ça comme ça. Là, je peux pas appuyer sur ma touche échappe et sur ce jeu, la touche échappe, elle est un peu utile. Hop. Ah, comme ça, c'est mieux.
Ok, comme ça on est pas mal. Ok. Alors, oh, un bel écran OLED. Pourquoi je suis avec Luna, moi? C'est pas grave, on va voir. Alors, Maybox. Ok. You've completed the event task, descendant daily task. Deux cristaux catalystes et 2 millions de thunes! J'ai aucune idée de pourquoi on a ça. Je ne sais pas pourquoi on a ça, mais alors, deux catalystes et 2 millions de thunas. Voilà, les réacteurs, ils ont changé de gueule. Ah, ils ont fait des nouvelles tronches pour les réacteurs pour qu'on les. Ah, oh, c'est bien ça. Bon, bah, attendez, moi, Luna, je m'en carre l'oignon. Ah, bah, à juste titre. Oh là! Ok. À juste titre, ceci dit, hein. Les pics et les nouveaux trucs, disons, si j'ai quelque chose dessus. Attendez, pour l'instant, on va y aller avec. On va y aller avec Ajax. T'as qu'à lire ce que je t'envoie, j'ai pas le temps. Reste tranquille, Atrix, bonjour à toi. Merci de l'envoyer, mais tu te rends pas compte de la. Tu te rends pas compte. J'ai passé 10h30 hier, Atrix, en voiture. Et là, depuis ce matin, ça fait je sais pas combien de temps qu'on galère. Parce que mon troisième écran marchait pas. Le micro marchait pas. La cam marchait pas. Le mise à jour voulait pas se faire. Please, don't. Stop. Je sais pas si tu connais ça, le stop. Mais là, c'est le moment de stop. Please. I beg you. Stop. Ça a été le foutu enfer, là. J'ai envie de. Ah non, mais. Attends, c'est parti. Ok. Et j'ai pas mangé. All available descendants, please review the briefing sent to your receive and carry out your assigned mission. Yes, okay. Could you assign a different descendant to my mission? Valby? Is something wrong? Honestly, I haven't been feeling well recently. I feel pain whenever I use my RK abilities. It feels like a huge kind of force. Feels like something twisting inside you. Oh putain, faut pas avoir l'esprit décalé, déplacé. Hein. Damn it. Some of the other descendants have similar symptoms, including me. Et je me suis dit que j'allais suivre l'histoire à partir de la saison 1. Voilà. I thought it was just fatigue, but enjoy Yerzol. For now, those who are able to be deployed, please switch missions with other descendants. HQ will investigate the situation. Nell, tout le monde l'a vu en descendant parce qu'elle est badass. Tellement classe, moi, Ajax Rose. Je teste un truc. Pa 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 pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ok, tac, ça c'est bon. Et voilà. Hop, Atrix, tu m'as envoyé quoi de beau? Ah, qu'est-ce que tu m'as envoyé de beau? Voyons voir ça alors, Atrix m'a envoyé ça. Avec plaisir pour le all-in, Yerzol. Let's go, non mais... saison 1, Invasion of Day, donc voilà, les invasions, Ailey, Cosmetic Battle Pass, ok. Ah oui, non, c'est ça que je voulais faire, je pense qu'on va tout de suite claquer de la thune, hein. Alors, on va regarder un peu les news d'abord. Bon, déjà, les réacteurs, effectivement, qui ont tous changé de tronche. Ce que je comprenne bien. Attendez, pourquoi? Chill. Ok. Ah, d'accord. Ils ont repris le symbole, en fait. Ça, c'est genre tous les chills singulaires. Ouais. Ah, c'est pas mal comme idée, hein. Les fusions. Ok, d'accord. Comme ça, on saura directement ce qu'il a en termes de forme. Ok, c'est une bonne idée. Très bien, très bien. Maintenant, on a les lignes aussi ici, ça c'est cool. Ok, les armes. Qu'est-ce qu'on a de nouveau sur les armes? Voyons voir ça. Alors, pour l'instant, rien d'étonnant. Les lignes là, les améliorations. Non, ça sont dégueu là, mes armes. Alors, voyons voir. Ok, on a les nouveaux skins, mais on verra ça plus tard. De toute façon, je vais tout de suite jouer avec Ailey, parce que j'ai envie d'acheter un nouveau perso. Clairement, elle a l'air beaucoup trop stylée. Ok, les modes, visiblement les modes. Attends, je vais déjà vendre un peu toutes mes armes à la con là qui traînent. On va vérifier par contre, hein, histoire de pas vendre une arme auquel on tient. Hop, allons vendre tout ça. Oh, le plaisir d'entourer mon écran par contre. Mamma mia.
le bonheur. Ok. Alors, sel, oui. Voilà. Eh, 68 000 de thunes, hein. Les gens sous-estiment trop. Ça m'a rapporté plusieurs millions, hein, les ventes, hein, pour l'instant, déjà. Ok. Alors, les modes, on voulait dire. On va aller voir un peu la boutique, on va aller voir les modes, on va aller voir tout ça. Alors, c'est quoi ça? C'est nouveau, ça, attendez. Que je comprenne bien, là. Ça, c'est alternatif? C'est quoi? Oh! Ça, c'est comment c'est affiché, et ça, c'est maintenant un onglet de mode. Oh. D'accord. Alors, par contre, j'ai perdu celle initiale. Faudra les refarmer. Parce qu'il y en avait des initiales, en fait. D'accord, et là, je peux... Oh là là, c'est bien. Oh, c'est bien. Oh, il est beau, l'onglet. Ok, 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 je valide. Et comme ça, là, je pourrais jouer avec mes résistances si j'en ai envie. Oh là là, c'est bien, ça. Oh. Ah ouais, c'est la passion, hein. Ah, ils ont fait du bon boulot, hein. Genre l'attaque, et je peux choisir n'importe quelle lettre sur la lettre déjà existante. Je sais pas ce que c'est, par contre, quand il y a un petit... attendez. Attends, select... Ah, c'est pour rien mettre. Parce que rien, c'est bien. Comme ça, ça ne double pas le prix des trucs. Parce que quand tu mets un truc dans le mauvais, ça double, en fait. Et donc, rien, c'est bien. Rien, c'est bien aussi. Ok. Ok, le truc des modes, c'est God Tier. Ça, magnifique. On valide à 200%. Que de l'amour. Je valide grandement. Ça marche. Alors, ça c'est la passion. On va aller voir. On va aller un peu dans la boutique. J'attendais avant d'aller dans la boutique, hein, de sortir la tunasse, tout le bordel. Attends, j'ai un nouveau skin pour Ajax, c'est ça? Ah non, ça va être des nouvelles couleurs. Je sais pas. J'ai un truc dans Descendant Skin qui brille, mais je sais pas où c'est. Chest. Back. Make-up. Je sais pas où c'est pas grave. Alors, name card, ok. Shop. Allez, on va dans la boutique, dans l'endroit du démon, dans l'endroit qui va en vouloir à ma carte bleue. Alors, Descendant. Donc, on a Ailey, que je vais acheter. Je vous dis tout de suite, je la farm pas, j'ai envie de la jouer. Vraiment, Ailey sur le papier, ça a l'air juste trop fun. Salut Black Pilami, bonjour tout le monde. Je suis giga chaud pour... Oh, c'est quoi ça? Attends, c'est un set évolutif? What? Ah, oh, c'est stylé, c'est un set évolutif, et pour qu'il évolue, il faut, tu vois, par exemple, prendre des dégâts avec tel ou tel truc. Ah, c'est pas mal. Ok. Hâte de voir à quoi il va ressembler à la fin. Ok. Twisted Worship. Ah, oh, putain, les gars, quoi. Mais c'est ouvert? Oh putain, mec, le mec lit pas l'interface. Attends. De quoi? Bah si, qu'est-ce que j'ai pas lu? Attends. Je comprends pas. Evolution info, si avec les dégâts, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pas vu, Buffalo? Preview. Je le vois pas. Je te jure, je le vois pas. Non, non, c'est que de l'actuel, ça. Ah! Oh! Ah ouais, non, mais c'est pas... Et alors, pour le coup... Oh putain, j'aurais jamais pu trouver. Ça existait déjà, le set évolutif? Ah bon? Sur quel perso? J'ai pas vu ça du tout. Ah ouais, c'est vraiment genre... Là, après, c'est Mecha Ajax. Envoyer des classes. Ah, mais je jouais pas Bunny, c'est pour ça, je sais pas. Mais je jouais pas Bunny, donc je sais pas, moi. Ok. Bon, Mecha Ajax, ça claque. Ça claque de ouf. Clairement, c'est un Gundam. Je valide grandement. Ok. Alors, ça, c'est... C'est pour quel perso, ça? Attendez.
C'est juste pour n'importe quelle meuf, c'est ça, tu l'achètes et tu le files à une meuf. Celui-là, là ? Non, mais c'est ravagé, enfin, c'est... Secours, quoi. Non. Ouais, non, moi, c'est non, hein. Alors, ok, donc Dead Bride. Ok. Executioner, en mode Pyramid Head. Mais même le mec, il a un petit boule un peu renforcé, quoi. Ça me détruit. Ah, celui d'Ajax, oui. C'est rigolo. Albion en mode... Non, ok. Ah ! Ah, ça, j'aime bien, moi. Alors, faut choisir, en fait, après la tête, quoi, mais... En vrai, j'aime bien... Moi, j'aime bien ça, en mode sapé et tout. Alors, faudrait juste que je change la tête d'Ajax. Attendez, je dois pouvoir le tester. Si je vais dès maintenant changer la tête d'Ajax, je pense que ça a marché. Attendez. Summer Vacation. Ah, mais il me faut le Summer Vacation dans ce cas-là. Alors, voyons voir. Pour qu'il ait plus de casque, en fait. Attendez, je vais essayer. De toute façon, je voulais Ajax... C'est que pour les bonhommes. Vas-y, go. On a de la thune. Voilà. Ok. Voilà. C'est ridicule. Ah, attendez. On va voir si tout s'est passé comme prévu. Ça ne marche pas du tout. C'est dégueulasse. Ça marche pas, en fait. T'es obligé d'avoir la... J'ai l'impression que t'es obligé d'avoir la tête, en fait. Ouais, mais résultat, c'est dégueulasse. C'est nul qu'on puisse pas lui mettre sa tête normale. Après, c'est un body skin. Peut-être que ça marchera plus tard. Peut-être. Après, sur Blair, en vrai, il est classe. Dans tous les cas, j'utiliserais peut-être plutôt sur... En plus, Blair, ils l'ont giga up. Sur Eugene aussi, forcément. Vas-y, je le prends pour Blair. Hop. Alors. Ah, classique, Valby à poil. Ok. Bon. Ouais, bah, je le prends de toute façon pour Blair, parce qu'Ajax, je vais lui prendre le méca Ajax. Donc, quoi qu'il arrive, ok. Ah. Ah, c'est pas fini. Il y a maintenant les premium skins. Pas mal. Très, très Warframe, pour le coup. Eugene, Nightmare on Mad Street, ok. Luna... Ouais, non, je crois qu'il était déjà en plus. Ouais, non, mais Jaber, oui. Jaber en Black Hole, c'est toujours un immense oui. Ok. Jaber avec des sortes de dread. Glay. Ok. Sharan, elle est plutôt classe comme ça, pour le coup. Blair... Non. Bon, celui-là, je l'ai déjà. Ah, on peut descendre. Premium skin. Bon, là, ça devient les trucs cringe, je pense. Package. Ah, bah là, c'est... Ah, ce qui est bien, c'est que aussi sur les hommes, hein, ça zoom sur la tub. Hein. Donc, il n'y a que Ellie à 900. Ok, bah écoutez, ça marche. On va être raisonnable, alors. Hein. On va aller acheter les petits trucs qui me manquent. On va être raisonnable dans nos dépenses, cher viewer. J'aurais pas fait trop de dingueries, ça va. Let's go. Ok, donc voilà la nouvelle boutique. Est-ce que j'ai les drops d'ailleurs sur la chaîne? Je les vois pas, attendez. Je vois pas les drops. Je sais pas s'ils sont déjà actifs, les drops, parce que j'avais vu qu'il y avait des drops. Attendez, on va checker ça. Est-ce que j'ai vu qu'il y a eu des drops? Je suis pas fou. Alors. Alors. Je vois pas les drops pour l'instant, j'ai pas dû checker la date. Attendez, je vais devoir aller sur leur putain de Twitter. Trois jours que je vais plus sur... je vais plus sur consulter les conneries sur Twitter, ça fait plaisir. Là, je vais juste aller sur The First Descendant. Alors, à partir de quand les drops? Que je me foire pas. Tu me les as envoyés à Trix, hein, je suis pas fou. Voilà. Ah, le 30 août, à partir de demain. Ok. C'est pour ça. Ça roule, pas de souci. Très bien, au moins. Attends, on va préciser dans le titre. Par contre, on n'est pas putaclic ici. Drop, demain, 30 août.
Ok. Mais ouais, je vous dis, pour une fois, je vais... c'est quoi le terme? Attendez, tac. Ça, on fera ça une prochaine fois. Hop. Voilà. Pour une fois, j'ai envie de suivre un peu l'histoire, parce que je regrette un peu de ne pas l'avoir fait initialement. Au final. Ok. Alors, descendant. Donc, moi, je voulais jouer Ellie, clairement. Elle a l'air beaucoup trop stylée. Qu'est-ce qu'il y a, Vaidra? Le drop d'Ellie. Je sais pas de quoi tu parles, désolé. Pour looter Ellie. Ah, bah c'est avec les donjons, oui. Non, c'est le. Enfin, oui et non, tu l'auras avec les donjons. Je l'avais montré en vidéo, ça. Ah, attends. Hop, c'est parti. Elle se drop autrement, c'est ça, Vaidra. C'est avec les donjons, invasion. Bon, elle a l'air quand même très très classe. Hein. Vous entendez bien le son du jeu d'ailleurs, ça va? Alors, Ellie. Alors, on va lui mettre quoi comme arme? En vrai, je vais lui mettre clairvoyance, je pense. Je vais tenter clairvoyance sur elle. Et clairvoyance que je vais continuer à améliorer. On va le reset un peu, tiens. Putain, c'est vrai que là, j'ai les trucs à améliorer. Ben non, mais en vrai, ça sert à rien d'améliorer. Là, j'ai déjà de. Parce que c'est vrai que j'aurais bien clairvoyance forcément sur Ellie. Hein. C'est pas déconnant, quoi. Et lui mettre un bon gros snipe du démon. Ah, quoi que tant, c'est qu'elle se joue quand même plutôt longue portée. Attends, j'ai du snipe ou pas? Je n'ai aucun snipe, ok. Est-ce que j'ai du scout rifle? Bah, j'ai Blue Beetle en vrai. Hein. En vrai, Blue Beetle, ça marche toujours bien. Hein. Elle a du Blue Beetle, c'est qui déjà? C'est avec du... C'est Arcane... Non, c'est du Fusion idéalement et sinon du Singular. Et Ellie, elle est en Dimension Singular, Dimension Singular. Bon, ça sera pas ouf, Blue Beetle, mais on fera avec. Ok. Alors, attendez. Peut-être mieux à mettre ici, par contre. Alors. Non, déjà, tous les trucs de chill. Chill, chill. Alors, chill priority ou chill gun barrel. Chill attack. Ouais, ça fera beaucoup plus mal, ça. Et... Je suis bien d'accord, Xelanos. Mais en attendant, c'est pour ça. Lui, il est toujours utile. Ok. Tu as bien raison, mais c'est vrai que ça arrive le 10 octobre, donc il y a le temps, mec. Hein. Il y a le... Ça, n'oublie pas que ils ont... Ça sera... C'est différent maintenant. Alors, de mémoire, elle a plutôt un bon crit, je crois, Blue Beetle. 25% de crit. Elle a tout à fait un bon crit. On va mettre du weak point. On va faire un mélange. Et là, il y avait un truc de chill aussi, je crois. Attendez. C'est ça, c'est Snowflake. Ouais, c'est ça. Snowflake Conductor avec le Frostbite. Très bien. Ok. Attends, je peux pas lui... Ah, j'ai pas d'énergie activateur, tiens. Ah, putain, je peux pas aller enfermer en PP en 2 secondes. C'est pas grave, ok. Alors, en crit, qu'est-ce qu'on peut mettre? Critical. Alors. C'est quoi ça, un weak point? Ah oui, non, c'était bien sinon, ça. Ah oui, non, c'était bien ça, dopamine. J'avais pas commencé à le mettre pour rien, ça. Ok. Voilà. Ici. Alors, pour Micheline, on a quoi en chill? Parce que, non, ces sorts, au final, c'est plutôt des... Attends. C'est ça, le truc. C'est qu'il faut augmenter... Ah si, c'est du skill power pour les dégâts, en plus. Ah, c'est basé sur l'arme actuelle. D'où l'arme sniper. C'est ça. Et ensuite, il y a du skill power en additionné. Ok. Donc c'est là où en fait avoir un gros snipe c'est stylé. Avoir un gros snipe de ouf, c'est là où c'est pas mal. C'est con, j'en ai vendu 25 000 là. Un peu dommage. Mais c'est là où, parce que j'ai jamais crafté. Allez, bon alors voyons voir un peu les skins d'Ellie par contre. Bon déjà Ellie de base, elle a de bons modules orange. Ils sont pas encore sortis si j'ai pas de bêtises. C'est vrai que tiens, j'ai pas encore mis ces modules ceci dit, bien vu. Ils ne sont pas encore sortis. Putain, fais chier, il me faudrait du plasma batterie là. Il me faudrait du plasma batterie pour lancer un énergie activateur. C'est la bouffe? Oh là là, je t'aime. J'ai fait une grosse platée. Attendez, on va papoter vite fait, je vais manger. C'est que... chaud. Oh putain, oui. La vache. Chez la chicada. Merci beaucoup, Nata, t'es la meilleure.
Alors voilà Ellie. Ah ouais, elle a des... Elle est thick. Elle est thick de ouf. Elle est thick et elle a un sac gaffe. Pas tout de suite. Je mange et dispo après, ouais. Mais attends, je vais claquer des sous. Hein. J'en ai rien à foutre. Je suis... À un moment... Hop, attends. Donc c'est... Tac, on va claquer ça. Ça sera plus simple avec ça. Je sais ce que je vais prendre. Tac. J'ai pas le temps. On a trop de jeux. Bon, à partir de lundi, il y a Black Myth: Wukong et tout. Lille Pelshot en mangeant. Ça, c'est une bonne idée. C'est un hotfix, par contre, parce que le Pelshot, de ce que j'ai vu, il y avait quand même beaucoup de choses que j'avais déjà vues. Parce que je l'ai en très très rapide diagonale, j'ai regardé tout à l'heure. Hop. Alors, on va voir ça, effectivement. Alors, voyons voir le Pelshot. Effectivement, pendant que je miam. Ok, c'est parti. Alors. Ah, je vous dis, j'ai eu le temps de rien. Et je précise que je suis en lay. Yes Life, hein. Je suis en lay depuis 9h du mat. Hein. L'enfer. Vraiment le. Pff, le galère informatique. Alors. Oh, t'es nouveau, va? What? Ah oui! Mais non! On peut farmer 1 million par jour? Me fait vénal! Oh là là! Oh là là! Ah oui, non, c'est plein de trucs, tu m'as renvoyé ça. Ah oui, j'ai pas eu ça. Oh là là! Oh là, encore un autre million? Attends, what? Oh putain, je suis déjà excité. Hein. Ah, je suis déjà excité, les gars. Ça a l'air trop bien! Il faut que je remange une bouchée. Oui, ouais, Raoul, t'as eu ça et 2 millions, logiquement. Parce que j'ai pas joué, on a depuis des jours. Ils nous ont envoyé deux schémas et 2 millions. C'est ça. Et c'est ça, en fait, dis-le. Oh. C'est le Own Descendant, tu vois. Si, en fait, en gros, on a eu ça. On a eu... Attends, par contre, comment ça, ça, je l'ai pas eu, ça. Peut-être pas encore. Avec deux bases, en fait. On a plus de 3 descendants qui nous ont envoyé ça. En fait, on a eu ça directement, Raoul. Oh là là. Oh là là. Mais c'est fabuleux! Mais c'est fabuleux, putain! C'est-à-dire que tous les jours, sans compter les farms que tu fais toi-même, t'as 1 million. Fabuleux. Oh là 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 là! Alors... Ok. Ok. Hop. Alors. Hop. On prend ça. On ira farmer vite fait après un autre énergie activateur. C'est juste que le premier, je vais l'acheter direct. Pas le temps. Pour pouvoir jouer en fait Ellie de manière correcte. On va l'acheter cash. On n'a pas le temps. Faudra que j'aille les farmer en masse, ces trucs-là, dans tous les cas. Étant donné que j'ai tous les compos, quoi. Alors, hop, on met directement à Ellie. Je vous dis, il n'y a pas le temps. Voilà. Je sais déjà que je vais la kiffer, hein, j'ai aucun doute. C'est là que j'aime pas du tout, hein. Ça serait rigolo. Hein. Tac. Ah bah, et la nouvelle interface, elle est clean as fuck. Hein. Alors, ici, donc chill. Elle est... Alors, techniquement, l'idéal, il faudrait que j'améliore l'ulti. Hein. C'est du chill singular. Oh, ça tombe trop bien, j'en ai farmé plein des chill singulars, les gars. Alors, chill singular, skill effect range et chill skill power boost. Oh là là, il est beau, celui-là. Ah, mais c'est avec Secret Garden. Ok. Ah, il faut... Ça dépend de l'arme en main, c'est vrai. Alors. Bon, ça, c'est pas mal, ceci, les clairvoyances. Cooldown duration. Attends. Il dure. Cooldown 26 secondes. J'ai 4 shots quoi qu'il arrive. On peut voir combien elle a de crit les compétences. Je vais voir, c'est où. Allez, sur l'autre temps. Cold Fury. Donc, ça, c'est le truc qui va me buffer. Et ça, c'est l'attaque de vent. Et ça, c'est les balles. Skill power, cooldown, MP cost. Damage, mais c'est basé en balles, j'ai l'impression. Ah non, duration, là, ça augmente un peu. Inventaire et V. Ah, tu parles en général de mes compétences. Oui, d'accord. Effectivement. Pas des masses.
Ouais, le crit, c'est pas son délire. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. Mais elle a des seins énormes, putain. Je suis désolé, je vois que ça, c'est un délire. Elle a des seins monstrueux. Putain, le... avec l'anime et tout, ça fait blop blop. Je crois qu'ils sont un peu en sueur en plus. Ils sont forts, hein. Ils sont graves, mais ils sont forts. Aïe, aïe, aïe. Ils lui ont mis des gros modules. Ah mais enfin, je suis pas fou, hein, il y a une... Regardez. Vous voyez les animes, oh, ils sont un peu... Ça fait blop 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 blop. Terrible. Oui. Il y a des chances. Alors attends, c'est ça que je veux voir justement. Clairement. Tu veux du cooldown. Tu veux clairement du cooldown. Le... Bah la duration, je suis pas sûr parce que regarde. La duration, tu t'en fous étant donné que c'est des balles là, l'ulti. Ça... Cold Fury, il coûte en fait des MP, donc on s'en fout aussi de la duration. La duration, on s'en carre le cul. Ça va être intéressant sur le cooldown, là le cooldown de ouf. Et un peu de et quand même un peu de power, parce que là en fait l'ulti, il est basé donc sur l'arme, c'est pour ça qu'il faut un bon gros snipe de ses morts. Et idéalement du modifier power et du power quoi. Ok. Il va me falloir un style. Il va falloir que je me farme. Ah bah toi, Xela qui avait farmé, tu sais, le. Yes, Raoul. Ça va être bien avec l'Afterglow Sword, je pense. J'avais jamais fini cette arme. Avec l'épée de rémanence, je crois, en français. Alors, déjà, il faut que je trouve donc ici. Alors, donc, en attendant, je pense qu'on va jouer. Je vais rester avec. Ah non, c'est le non-attribute, ça c'est naze. Alors, perfo. Alors attends, singular c'est comme ça. Ok, donc on va juste regarder. Fusion. Non. Fusion, non. Ah bah ouais, mais bon, j'ai pas Peacemaker quoi. C'est vrai qu'elle était très bien avec le Peacemaker aussi, à voir. Avec Greg. Rien, je m'en fous. Critical Hit Rate. Ouais, en vrai, avec Secret Garden, elle est bien. Ouais, je suis plutôt la joueur Secret Garden pour le coup. No joke, je vais la jouer en Secret Garden. Pour ça, en fait. Pas mal, en vrai. À défaut, pour l'instant, on va la jouer comme ça. Alors. Le problème, c'est que c'est une orange Secret Garden. Et en attendant, on va jouer un snipe, je pense, après. Ah, est-ce que j'ai un autre... Donc ça, je répète. Hein. On va faire des vidéos aujourd'hui, Atrix, hein, je te le dis. On va avoir de la vidéo. Alors. T'as full compo. Si tu fais une research, t'as un boost d'XP. 100 000 Cooper Shard. J'ai déjà un bon violet. En vrai, ouais, mais j'en ai déjà en plus. Où j'avais mis un réacteur dedans, sans faire exprès. Mais ça, non, mais ça, c'est fabuleux. Donc, attends, mais limited, par contre, c'est combien de temps? Ah. Ça, c'est peut-être pour nous booster un peu la thune. Et tu m'avais envoyé un autre truc, Atrix, je crois. Celui-là, à 8h. C'est celui-là que j'ai vu quand je t'ai réveillé. Ouais, l'autre, en fait, je l'avais pas vu. L'autre, j'étais en train de faire les cours ce matin. C'est celui-là que j'ai vu en me réveillant. Ok, ouais. C'est event, on va tester. Oh là là, on a tout ça à faire. Ils sont forts. Je suis venu manger et on est parti. En attendant, on ne ferait pas pour son audience. Alors. Ça, c'est bon. Et ça, on va s'en occuper.
Alors, on va custom Ellie. On veut déjà... Le crit, ça va pas servir à grand chose ici pour le coup. On va prendre ça, clairement. En chill, j'ai monté un truc déjà. Autant l'utiliser. Et le cooldown, en plus, ça va être bien. Voilà, on a comme ça deux trucs de cooldown. J'ai time distribution aussi qui va être vachement bien. Parce qu'il va me permettre d'avoir du cooldown et du HP. Ok, ça c'est sur la base. Maintenant, on va jouer un peu la survie. Parce que bon, peut être bien quand même qu'elle crève pas, madame. Le skill crit, on s'en bat les couilles. Le max, l'OMP, non. Alors, on est où côté point de vie et côté def? Elle a un peu de point de vie quand même. Ah oui, il va falloir que je change ça aussi, tiens. On va lui mettre les trucs de vie et ça. Alors. Increase HP, c'est un classique. Non, j'ai mis shield, la merde. Increase HP, donc je disais, c'est un classique. Celui-là aussi. Anti-increase def, on en est où? Non, c'est nul à chier, l'increase def. Après, elle est niveau 1. Après, elle est niveau 1. Faut pas oublier ça, effectivement. Elle est level 1. Attends, en cooldown, de toute façon, j'ai rien d'autre, on est d'accord? Merde. Cooldown... Non, mais j'ai le power modifier, par contre, que je peux mettre. Je viens de tilter. Il est où, ce con? Voilà, j'ai ça. Et maintenant... Salut, choupette. Bonjour, bonjour. Désolé si j'ai raté les gens. Je peux mettre à la limite pour finir. On va rien mettre d'autre pour l'instant. Quoique. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour finir? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Voyons voir. On va mettre celui-là pour la forme. Ok. Ok. Maintenant, Secret Garden. Alors. Déjà, on va caler ça. C'est toujours bien pour récupérer les balles, quoi qu'il arrive. Alors, maintenant, en malachite, on a quoi? Mental Focus, ça reste quand même une valeur sûre, généralement. Frigid Burn, c'est quoi, ça? What? C'est génial ça, Frigid Burn, attendez. Si je touche un ennemi 3 fois à la suite, donc parfait pour un tactical, à une distance de 25 mètres ou plus, donc faut être loin justement. Ah mais elle est parfaite aussi elle pour... T'es là, Xela? Elle est pas mal elle, l'arme, hein, pour... comment elle s'appelle, la Ellie. Elle doit jouer justement à distance. Attends, si je me rappelle bien, dans le truc de l'essence, attends, je vais voir que la cam est un peu... Elle a un truc. C'est ça. Weak point. C'est ça, il faut qu'elle soit à plus de 25 mètres. On va voir, écoute. Peut-être, j'espère. Parce qu'il est vraiment bien pour elle, hein, pour le coup. Il est vachement adapté pour Ellie. Ok, et donc on va être basé. On va faire un peu du weak point alors. Alors en weak point, on a quoi? On va faire du weak point. Attends, il y a du crit ou pas là-dessus? 50% de crit! The fuck? What? What? Alors, critical, hit, damage, déjà. Alors, déjà ça. What? Comment ça, 50% de crit, le bordel? Weak point, ça c'est parfait, focus fire. The fuck? C'est monstrueux! C'est beaucoup. Je veux du chill par contre. Je veux la mettre en chill. Et comme ça. Fuck quoi. Alors critical hit. Damage, ok. On va aussi mettre le weak point sight. Et je peux mettre fatal critical. Ok. Ok.
Secret Garden, je crois que je pouvais améliorer. Ok, maintenant, les modules ici. Alors, viens ça. Voilà. Sort by level. Non, 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 parti. Ok. Parce que c'est... Ils ont changé. J'ai l'impression que le jeu, il a... c'est nouveau jeu, quoi. C'est un délire. Alors, attendez. Viens ça, j'ai pas le choix. J'en ai qu'un seul comme ça, donc le problème est vite vu. Alors, ensuite, ici, c'est lesquels et chill. C'est celui-là. Chill Resistance, MP Recovery in Combat, ça c'est pas mal. Character XP Modifier. Ça c'est pas mal ça. Pour Pex, bien vite là. Pour l'instant, on veut Pex. Ok. Là on a quoi? On a de la def un peu. Là on a de la def, on a de la Firearm Proficiency. Ça c'est bien. Là on a de la def et on a du gold. Ouais, le gold faut le ramasser, ça me casse les couilles. Et là, alors là on a quoi de beau? Là c'est de la double, ça à la limite. Ouais, là c'est pas fou, ok. C'est bon, j'ai le 4-7, ok. Et Frostbite. Je sais pas si elle fera du Frostbite elle par contre. Je sais plus exactement comment on fait du Frostbite. Parce qu'avec Viessa, ses sœurs entraînent du Frostbite. Je sais pas si là elle peut en faire elle. Parce que si elle peut pas faire de Frostbite, ça sert à rien son... Est-ce que, par exemple, genre avec son 2, est-ce qu'elle fait du frostbite? J'ai pas l'impression. Hein. Je crois que ça va pas être très utile. Je crois que ça va pas être foufou pour l'instant. Bon, pour l'instant, je vais juste garder ça pour la forme. C'est pas grave. Preset. Vas-y, on va juste acheter un slot. Hop. Non, je peux le mettre là, tiens. Save current settings. Rename. Hayley. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Ok. Alors maintenant, le truc c'est que il me faut quand même. C'est vrai qu'il me faudra quand même un truc avec un snipe, tu vois. Ou alors on verra pour le réacteur. Bon, pour l'instant, le snipe ça presse pas. Alors, on a plein de possibilités là. Bon, déjà, est-ce que je peux améliorer les modules? Là, ils sont déjà tous à fond sur le perso, ça sert à rien. On peut peut-être améliorer un peu, genre Frigid Burn, le module ici. Pff, trop d'émotions, cher viewer. Trop de. Y a trop de trucs. Alors. Weapon, yes. Ah, je peux améliorer que un cran, ouais, ok. Alors. Ok. Est-ce que je fais directement la quête ou pas? J'ai ma quête. Clear White Night Gulch. J'aimerais juste quand même lancer un. Ok. J'aimerais juste quand même lancer. Attendez, hop, c'est toi Atrix ou pas? Non. C'est quoi ça? Mais non, il a vraiment dit ça, Buffalo? Mais non. Alors. Ce serait comme agréable parce que j'en ai marre des acheteurs. J'en ai... Attends, je peux lancer ça déjà, tiens. Hop. Incroyable. Faut qu'il me blâme. Mais je te dis, tu aurais fait un troisième compte, il devrait dire que c'est ma faute. Est-ce que quelqu'un veut vite fait aller faire des hit plasma battery? De mémoire, les hit plasma battery. C'était... Fallait lancer... Il fallait lancer... putain, c'était quoi déjà? Le truc là... Il y avait deux donjons. C'est toi Raoult, je crois, qui m'avait montré, non? Il y avait un donjon où tu t'attendais. Tu faisais que le début. Fais la mission violette, tu en auras. Alors la mission violette. La quête principale, tu veux dire? Tu parles bien de la quête principale, hein? Il file du plasma batterie. Bah écoute, let's go alors. Journal, descendant. Ok. Ça marche. Bah écoute, je te fais confiance. Alors. Clear White Night Gulch Special Operation to set shit in place of your teammate. Alors, White Night Gulch. Tellement longtemps que j'ai pas eu quête principale, c'est où? Putain. Alors, attends. Clear White Night Gulch Special Operation. Ah, Special Operation. Ah, mais c'est la défense. Ça marche, pas de souci. C'est la défense, attends, la Special Opération. Ou c'est la Block Keeper, il parle de laquelle? Bah non, il y a... Ok, non, faut faire la Block Keeper, d'accord. Ok. Merde, non. Non, ça c'est l'infiltration. Spécial, c'est là. Petit cul de bunny. On est d'accord, hein, c'est ça, faut que j'aille jusqu'au stage 6.
Ok. Étonnant, mais pourquoi pas. Voilà. Putain, mon proco se fait tellement détruire. Ce jeu à lui tout seul mérite presque un dual PC, quoi. C'est une dinguerie. Ah, vous avez reçu un remboursement de 90 euros de la part d'Amazon. Eh bah, je sais dans quoi je le... Voilà. Très bien. Merci. Ok. Ah, le jeu bouffal de mon proc. Hein. Pourtant, j'ai un très bon processeur. Hein. J'ai un Ryzen 7 7800X3D. C'est vraiment un gros proco. Hein. Et pourtant... Ok. Alors... je suis seul avec Ellie. Ah, je suis déçu. Ok, c'est parti. Ah, j'ai pas regardé mon pex. Attendez, mes boosts. Hein. Faut que je regarde mes boosts. Hein. Ah, je suis déjà level 2. Je suis trop fort, les gars. Ah, j'ai rien. Ah non, non, attendez. Non, non, c'est pas possible, ça. Alors... Merde, shop, vite. Attendez, allez, 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 allez. Tout est terminé là, je pense. Convenient, c'est ça. Alors, le gold. Non, le gold, moi je veux 30 jours. Ouais. En vrai, on va voir le gold, pas sûr. Franchement, le gold, pas sûr. On va juste prendre l'XP de descendant pour l'instant. Le gold, pas sûr, parce que c'est que par terre et ça commence à me casser les couilles, moi, les trucs par terre. Ah bah oui, mais de toute façon, je pense qu'on arrêtera touche à Stachis là. Hein. Ouais, là je trouve ça, toi pour le coup, là c'est cohérent pour l'histoire qu'on s'arrête au Sachis. Ce truc là de base il est pas ultra vivant, tu vois. Donc perso ça me choque pas la Vaidra. Ouais, c'est pour ça, voilà, le gold avec l'1 million quotidien, plus les limited et tout, je me dis qu'il y a rien à foutre. Juste le pexing de perso, parce que comme ça moi j'aime bien jouer plein de reroll, tu vois. Ça va être cool. Allez. Ah, je suis trop content la saison, je l'attendais, hein. Oh là là. Mais là franchement vous allez avoir plein de live. Je suis enfin rentré chez moi. Je suis content d'être chez moi. Nos vacances étaient magnifiques, mais être chez soi, c'est quand même. Comment est le son du jeu par rapport à ma voix? Oh le laser! Oh le laser qui est là! Ah, trop bien! Elle a un laser Micheline, c'est trop stylé, attendez. Mais en fait, tu joues quasiment que avec ton 1. Oh, c'est une dinguerie ce truc. Allez, Forest. C'est Buffalo. Ok. Oh, le petit. Le 2, c'est déjà un laser. Attends, on va retest. Tester quand il y a des mobs. Ah, j'ai déjà un niveau. Oh là là, ça pèse trop vite. Attends, je l'ai bien activé là, le truc là. Ouais, c'est bon. Mais ouais, résultat, est-ce que Creeper Shard, on s'en fout du boost. Le God, je pense maintenant, on va s'en foutre. Le Weapon Profession, si, à la limite. À la limite, et encore. Généralement, ça monte tellement vite que Balek. Non, je pense que juste prendre le descendant expert. Hein. Le jeu s'améliore tellement qu'on a plus besoin de payer des trucs, quoi. C'est trop cool. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Le 1, je peux le spam, ça défonce les mobs. Attendez, c'est trop drôle. Ça va tellement vite là. Je suis trop content. Ça m'avait manqué de jouer à TFD. Hein. Quel plaisir. D'avoir du nouveau contenu là, c'est sympa. On est pas mal. Je pense que là, ce soir, quand les gens vont rentrer du taf, là, 18h, ça va... J'ai pas encore regardé les chiffres. Ça va pas être fou les chiffres pour l'instant sur stream. Le daily là. Attends, on va voir. Vous m'avez pas dit par exemple le son par rapport à ma voix. Est-ce que vous entendez bien le jeu? Pour moi, c'est important que vous entendez bien le jeu. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je montrerai le. C'est moi, je viens d'avoir une petite marque Forest à 100 000. Allez. Allez, là, les 100 000. Parce que c'est assez bas sur mon stream là, je ne me rends pas compte. Est-ce que vous entendez bien les papapa? Mais moi, c'est dans le sens, je veux qu'on entende bien le jeu. Hein. Hop. Hop. Non, j'ai pas le temps d'utiliser mon 2 là. Ah, oh, j'ai pas le temps. Quel enfer.
Ça va beaucoup trop vite. J'ai full thune qui arrive. Attends, c'est quoi l'histoire jusqu'au 9 là? T'as vu ça où? Ah oui, c'est effectivement. Ouais, mais bon, ça va faire de la thune déjà. Hein. Ça va faire 9 millions plus 3 en tout. Il y a quand même des dizaines de millions. C'est pas mal. Hein. Après, s'ils voient que ça marche bien, ils vont peut-être refaire les trucs. On va voir. Attends, j'aimerais bien utiliser mes sorts, bordel. J'ai pas le temps. J'arrive, les mots. Foutu Bunny là. Terrible. Par contre, Secret Garden, là, en 2 secondes, c'était plutôt sympa à utiliser au final. Plutôt sympa. Ah, attends, moi je voudrais retester le 2 là. Ça fait combien de dégâts? Voyons voir. Je crois que c'était nul. Le 3, ça m'a me boosté. Avec le 3, c'est ça. Je vais de plus en moins vite, mais je tire de plus en plus fort. Enfin, c'est que les mobs, ils meurent à instant, quoi. C'est ça, et vous voyez, ça reste actif tant que j'ai de la mana. Un peu comme Bunny, quoi. En même temps, le truc à 200, je sais pas si grand monde l'utilisait. Toi, tu l'utilisais là? Les 3 millions, au secours, quoi. 3 millions de thunes, fallait les sortir. T'es un mec riche, toi, hein. Je suis un clodo, moi. Toujours, ouais, putain, ouais. Donc, au final. Alors, attends, l'ulti, voyons voir ça. Pour l'instant, ça fait absolument pas de dégâts. Il faut un gros snipe, je pense. Le feedback est génial, par contre. Bon, clairement, il faut l'optimiser. Faut l'optimiser, le feedback est génial. On va retester le 2. 2 millions! J'ai vu un... Ça fait 2 millions, le 2! What? Ça a balancé un 2M? Attendez, attendez. What? Ok. Ça a balancé un 2 millions là, le 2. Hein. Je l'ai bien vu. Hein. Ok. Et en AOE en plus. Enfin, c'était en ligne quoi. Pour une fois que tu fais des dégâts. C'est le pouvoir du boule qui chamboule. Et donc là, on arrête, hein, je crois. Ah, ils veulent continuer. Hein. Ouais, s'ils veulent continuer, écoutez, hein, on va MP. Hein. Dans le patch note, il disait qu'on pourrait lancer un craft en plusieurs exemplaires. Ah! Ah, stylé ça. Ok, le A, go. En vrai, je vais aller hausser. Ah, quel plaisir. Vous connaissez. Putain, j'ai déjà pris 16 levels là? The fuck? Attends, j'ai pas X2 de ultra vite là, non? Là-bas, du coup, le bloc Cooper Mining, ça fait pas vexer aussi vite. Attendez, hop. En ligne. Oh, 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 oh. Et est-ce que le 3 et le 2 ils se cumulent? Je vais crever. Non, c'est mort, c'est bon. Alors, 3, attendez, 3, 2, non, ça se cumule pas, ok. Quand même. Le 2, il est génial. Mais le feedback de Hayley, il est... Mouah. Il faudrait que... Ok, donc en gros, il faudrait que j'aille farmer. Et en fait, pas forcément... comment il s'appelle Xelanos, c'est toujours là. Pas forcément, en fait, pour le Scout Rifle, parce que son ulti est basé sur les dégâts de l'arme. Et donc, il lui faudrait vraiment un snipe. Donc, un des deux snipes uniques, donc soit Afterglow Sword, soit... je crois que c'est Wave of Light, l'autre. Je vais aller check un peu les trucs. Mais oui, il sera intéressant hein, quand même. En gros, ça sera un autre gameplay. Mais c'est vrai que si tu veux jouer vraiment avec le 4, genre sortir des dingueries avec le 4, il y a moyen qu'avec un gros snipe ultimate et donc le réacteur associé, ça tape du démon quoi. Parce
que là, mon ultime, il se base sur Secret Garden, sur les dégâts de Secret Garden. Après, mon DPS est dégueulasse. Mais je sais pas si c'est sur le DPS ou si c'est sur les dégâts. Parce que genre, mon Enduring Legacy, elle a, des dégâts, elle a un DPS monstrueux, là. Je sais pas trop, je pense que c'est plutôt les dégâts. Je vais relire, attends. Merde. Je relis après. C'est plutôt mal, Secret Garden, alors qu'elle est pas du tout améliorée pour l'instant, en soi. C'est pas si mal, hein. Ah, je vais crever, c'est pas grave. Quelle vie, cher viewer, mais quelle vie, quel jeu. Quel plaisir. Vas-y, fumez le boss. C'est vrai que Secret... Ah, ça, je voulais voir aussi. Parce que je crois que Secret Garden, j'avais des trucs pour l'améliorer déjà. Et il est où le boss, alors? Il est en B. Ah, fuck. Ok. J'arrive, ne tuez pas. Bon, on peut finir maintenant, écoutez, en tant qu'on en est là. Du coup, selon moi, lumière perçante serait plus intéressant côté stats. Putain, mais j'aurais fait 260, j'aurais déjà fait 300 000 dans la mission. C'est une dinguerie, cette histoire. Attends, je relis Descendant. Base damage, same as equipped weapon. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Pour le détail, je sais pas. Attends, c'est où B là? C'est où B, putain, je suis con. On n'a pas abandonné pourtant, on est encore 3. Là, il fait quoi mon réacteur déjà? Moi, il me fait du chill skill et du skill critical hit rate. Ça, c'est pas mal. Bon, au pire, c'est pas grave. Fallait atteindre le sachis, hein, je crois. Ouais, ça a bugué, je pense. Est-ce que je vais avoir la récompense, résultat? Comme ça, a bug. Si je quitte. Putain, je pense que je vais pas avoir la récompense. Je crois qu'on est baisé, hein. Non, c'est bon. Quoique, j'ai vu un 400 000 là-haut. J'ai vu un 400 000. J'ai eu le temps de le lire. Tellement de trucs à prendre. Tellement de trucs à prendre en compte. Oh, hop. Ok, ça a validé la quête. J'ai maintenant 3 millions. Bah, c'est pas possible. J'avais 2 millions 9. Non, ça m'a baisé, hein. J'aurais juré voir 400 000 par contre. Ou alors ça m'avait déjà ajouté la thune en fait, ça ajoute déjà la thune quand ça affiche en bas. C'est pas à la fin. Je pense que c'est ça. Ok. J'ai pas eu... Non. Alors voyons voir. Salut Creep, long mais ça a été. Content d'être retourné à la maison quand même. Je vous dis donc la saison 1, on va suivre l'histoire. The descendant's arcade is now strong enough to accommodate the inverted Ironheart. Thanks to this, we reclaimed the Ironhearts that the enemy held, and could even destroy them in places Karel didn't expect. However, we overlooked the side effects that come with awakening such powerful forces. Once a descendant's arcade has absorbed inversion energy, it has an endless craving to consume more of that power. Across Ingress, energy particles that remain as a result of the destruction of the inverted Ironheart are widely dispersed. The descendant's arcade has been unconsciously absorbing these inverted particles. If we cannot control this phenomenon, ce qui est bien, c'est que Ellie elle sera buffée aussi bien par Luna que par Enzo, comme elle prend aussi bien des sorts que des armes. If Arcade is overloaded with inversion energy, it could trigger an internal explosion within the descendants. Ah! This is similar Dommage. To how one of the Ironhearts was destroyed by an inversion overload. But descendant,
As soon as this problem occurred to me, I received a design file from the Ancestors database. My thoughts were inputted to the database as prompts, and the necessary technology data was sent to me in a similar manner to the AI you use. The technology is called an inversion circulation device. The device filters and expels inversion energy that has been absorbed into RK. I am skeptical of this technology, as it is unverified. But for now, we should build the device and hope it works as intended. The Ancestors database... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent suivre l'histoire avec moi, sous-entendant, est-ce que vous voulez que je passe les sous-titres en français? Moi, je m'en fous, mais je me dis qu'il y a des gens qui suivent. Ça, il y aura le texte en anglais, quoi qu'il arrive. Hein. Pas le vocal, c'est en anglais. And retrieve the ancient metal we require to create the inversion circulation device. While you are doing so, I will transmit the design to HQ and verify its effectiveness. Okay. Parce que je crois que dans mes viewers, ça joue aussi bien en anglais qu'en français. Et résultat, je sais pas. C'est toujours compliqué. Pour savoir quelle zone c'est ou autre. Alors, complete on mystery. Ah, d'accord. Ok, bien vu, Mozart. Ça marche. Ok. Alors, on va aller voir un peu les armes. Salut Anaïs, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu vas bien. Alors. Weapon. Ok, donc, pour les deux armes, il me manque qu'un truc. Donc ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, je vais vite pouvoir tester. Il me manque qu'un seul compo pour les deux et c'est pas le blueprint. Fort bien. Ah, attends, piercing light, rappelle-moi. Unhitting a weak point. Sent when two enemies has hit a single shot. Non, que moi, pourquoi? Non, j'ai que Twitch. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore fait ça. C'est vrai qu'il a l'air pas mal, piercing light. J'avoue que... Tu dis des trucs que je vois pas. Ah non, c'est moi, je lisais rien, c'est moi qui le disais. Je me disais, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui veulent suivre l'histoire avec moi? Et si oui, est-ce que vous voulez que je fasse en français? Et c'est tout. C'était dans ma tête. Enfin, c'était en... J'ai réfléchi en mode, tiens, il y a peut-être des gens qui parlent pas anglais et ça pourrait aider, quoi. Salut, silence. Ok, donc piercing light, il me manque que ça. Et on peut le choper où? Alors. Fortress, Steril Land, un peu partout. On va voir ça autrement, plutôt. C'est vrai que ça serait sympa. Il me faudra le réacteur ensuite. Alors attends. Et est-ce que cette semaine... On va voir si je vais me motiver ou pas. Donc elle est chill singular. C'est l'ulti, il est en chill singular. Donc on voudrait comme ça, comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas cette semaine. Donc en fait, même si je farme l'arme, je n'aurai pas de réacteur associé. Donc en fait, faut... Alors ça vaut toujours le coup de farmer l'arme, mais c'est pas pressé quoi. Vous voyez par exemple, il y aurait eu le réacteur. Bon. Là, clairement... Ok, alors maintenant on va voir quand est-ce que ça arrive. Semaine prochaine, c'est dans 4 jours. Alors, on a dit donc chill. Ah, c'est... Ok. Chill. C'est la petite planète singulière, je crois. Hein. C'est bon, hein. Ouais, c'est ça. Ok, donc semaine prochaine, on l'aura. D'accord, je peux donc quand même déjà préparer l'arme en vrai, mais pas tout de suite, tout de suite. J'ai pas vu les skinners de Ellie, attendez. Je vais quand même aller voir un peu. Non, c'est dans Customize, excusez-moi. Est-ce qu'on a des skins cool pour Ellie? Alors, voyons voir ça. Head skin, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, mais c'est un skin Ellie, le... Ah ouais, non, il est vraiment trop vulgo, ça. Dead Bride. Albion. En blonde. En vrai, c'est le maquillage. Je trouve qu'il fait... des choses que j'ai plus le droit de dire sur Twitch aujourd'hui. Hein. Merde, putain, j'en ai marre du zoom dans la chatte. Non, elle est bien comme ça. La tête, je la changerai pas. Alors. Ah oh, putain. Je suis. En fait, ce qui m'emmerde, moi, c'est son côté brassière ouverte, là. Vous voyez, avec son énorme paire de loches. Bon, tant pis. J'attends qu'il y ait un autre skin pour elle. Par contre, j'en peux plus, moi, ce truc-là. Comment. Où est-ce que c'est ce point rouge, là? Il est où, ce point rouge, putain?
C'est quoi ce point rouge? Là, il y a un point rouge, je sais pas ce que c'est, ça me rend ouf, je vous jure. Chest. Non, j'ai déjà fait ça. Non, ce que j'ai été voir, j'y ai pensé. Mais j'ai été voir les couleurs. Attends, je vais recheck. C'est bien le descendant skin. Après, ça a peut-être pas marché parce que j'y suis allé tout à l'heure avec Ajax. Attends, on va prendre n'importe quel perso au Balek. Attends. Ah, sauf qu'il me faut un skin pour checker. Quel enfer. Alors, on va la refaire. Pas de soucis, je gère. Un personnage avec un skin, Ajax. Alors. Hop. Body skin. Ah oui, non, j'ai ça. Déjà. Bon, trop classe en vrai. J'ai toujours le point rouge. Ok. Non, regarde, j'ai bien checké les couleurs. Hein. Ça me rend fou. Hein. Ça me rend fou. Ouais, il est classe comme ça. Et merci Kenshiro, c'était ce skin. Non ! Il y a toujours le point. Il y a toujours le point, Atrix ! Il y a toujours le point ! Bienvenue Kenshiro. Il y a toujours le point, Atrix. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Putain. Il y a toujours le point. Je sais pas où c'est. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas une couleur. C'est pas un point. Ah, mais je vais pas me taper le skin. Ah, attends, c'est peut-être... Attends, Blair. Ou c'est peut-être qu'il faut que j'ai vu tous les skins. Alors, attends. Bon, Blair, il pète la classe comme ça. J'aime beaucoup. C'est peut-être ça, attends. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. J'ai une idée, attends. Effectivement. Ah non, mais le point rouge, on va aller faire ça. Peut-être que c'est ça. Attends, customize. Ah, oui. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est bon. C'était le truc que j'ai reçu en courrier du démon, là. C'était la tête pour les pics. Ah, oui. Oh. Jouissif. Ok. On est bon. J'ai pas eu tout de problème. Je suis très stable. Ma mère m'a fait tester. Ok. Je reviens. Je vais me prendre une compote. Et pas de holly parce que j'ai pas de glaçon. Donc un Red Bull. A tout de suite. Héros tout le monde. Oui, Atrix. Ouais, toute la suite de quête, quoi. Est-ce que des gens qui sont sur la suite de quête, sont au niveau de All Mystery, veulent venir par hasard pour le faire avec moi? Que des gens veulent venir qu'on le fasse ensemble, All Mystery. Comme ça, on pourra faire durer le truc pour avoir les hit plasma. Tiens, j'avais pas manqué de descendre et monter les escaliers trop vite. Le premier donjon. Social, c'est dans quoi déjà? Là. Ok, oui, ça va. Hop. Ok. Donc ouais, pour l'instant, l'ulti, pas fou. Le 2, par contre, incroyable. Hein. Le deuxième sort, là, que je comprenne bien. Cooldown, ok. Il fait tellement de trucs ce deuxième sort, c'est incroyable. Commander, flash freezing, cryo. Je peux augmenter sa taille d'ailleurs. C'est intéressant ça. Je peux augmenter la taille du bazar. Ça fasse un plus gros laser. Et je vais checker un truc Veldra, mais logiquement, comme c'est. On va espérer que ce soit bien fait. Si c'est le cas, c'est fabuleux. Mais elle est à poil. Attendez. What? Mais... Oh mon dieu. Je sais pas ce que c'est comme perso, mais c'était...
All Mystery, c'est où déjà? Ce jeu, putain. Ce jeu, parfois, c'est... Ouais, juste après, Xenos, t'en es où, toi? C'est Bunicolor cher. It's fine, it's fine. T'en es où, Xela? Si t'es en train de faire les vagues, on peut t'attendre un peu, hein, pas de soucis. Je viens de finir, là, donc chaud. Allez! T'es là. Vas-y, vas-y, pas de soucis. Ok. Ouais, hein, hein. Plus de chair que les autres. De qui Ellie? Pourquoi? Parce qu'elle est, elle a un bon gros boule et des gros seins? Je comprends pas. C'est quoi un point positif? Ah, genre, c'est pas une anorexique, c'est ça? Oh, Bunny, elle est pas anorexique, hein, elle est thick, hein. Les cuisses. Oui, bah, elle est. Oui, elle va à la sport, quoi. Oui, elle est. Regardons le boule de Viessa. Le vigilant, c'est important. On en est là. Elle est plus petite, hein. Ce jeu me corrompt. C'est terrible. Bah, je t'ai groupé, non? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, bon, on le lance à 3, écoutez, hein. Hard, ça ira très bien à 3. Et comme ça, on fait durer, si ça vous dérange pas. Oh là là, c'est trop bien, ça. Est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse plus qu'un autre? Le 116 ou le 117? Voyons voir. Tu veux qu'on regarde avec mon body string? Oh, putain. Ah, King Guard, Energy. Bon, c'est le 117, je trouve pas ouf. Après, si, peut-être que vous, il vous plaira. Et le 116. Ouais, le 116, il y a le Crystal Catalyst, hein. Moi, je voterais 116, mais bon, sans non plus, voilà. Ah, weak point damage not applied, quand même, par contre. Ça, c'est casse-couille. Ok. Je peux pas changer ça. T'en es où de la quête? Ah oui, on a reward, on en a 6, mais il y en a plus dedans. Bon. Tu fais une vidéo sur... Oui, 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 déjà, regardez, bien sûr. Tout est sur YouTube ou TFD. Ou TikTok, excuse-moi, selon ta préférence. Déjà prêt depuis un bon moment, regardez les vidéos. Là, aujourd'hui, je vais faire des vidéos... On voulait faire une vidéo sur quoi déjà? Ah oui, sur le... Ah oui, c'est ça, Atrix. Yes. Atrix, après le donjon, rappelle-moi, on fera la vidéo, tu sais, sur le truc jusqu'au 9 septembre, là, avec les millions de thunes. Par contre, weak point damage not applied, c'est un peu relou. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave. Je fais tellement plus de dégâts de crit, hein. Dinguerie, hein. Ouais, ouais, je sais, mais c'est pas grave, on est 3, il est solo. Ça ira, t'inquiète. NP, NP. Ouais. C'est vrai que le jeu, attendez. Ok. Il faudra que je change. Putain, il est tellement plus beau là, le jeu, quel plaisir. Oh là. Pas mal, hein. Ah, mais il meurt trop vite. Oh là, ce coup de laser. Y'a tout Granny. Et si t'as encore des questions après, n'hésite pas. Ok, c'est ici. Donc là, on essaie de faire durer. Ok, c'est bon, il a dit ok. Magnifique. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de timer. Ah oui, mais alors merde, attends. Tout à fait, Mozart. Point d'exclamation, écran. Oh, 2 millions. Hein. Oh, 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 oh. Ok, alors attends. Oui, j'ai essayé que tu as dit Valdra, mais j'avais pas compris tout à l'heure déjà. Pas sur l'heure. Il place ma batterie x10? The fuck? Ah, mais j'ai mon truc là. Ah ouais, nice. Ah, attends, ça veut dire que... Je suis pas sûr de comprendre exactement comment ça va se manifester. Ouh. Ok.
Ça, c'est juste qu'on a tout en fait, ça enchaîne. D'accord, c'est trop bien. Bah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Que je vous dise, c'est trop bien. Ok. Oh, elle tire tellement loin le son. Hein. Auto-shot en plus. Bon, par contre, ouais, il y a quand même un mur, voilà. Ah, raté. Ah, c'est possible. Ok, là je suis à x30. Quasiment les places en batterie, on est pas mal. Après, dans tous les cas, alors ça dépend en quelle résolution t'es, Raoul. Mais c'est en 1440p, GeForce Now c'est quasiment toujours mieux. Hein. Faut pas hésiter à spammer, hein, GeForce Now, c'est la vie. Hein. Attendez, hop, c'est parti. J'ai pas vu les dégâts que j'ai fait. Ok, je peux l'annuler et logiquement le sceller donc va être plus court. Oh, mais c'est tellement bien! Oh là là! Quel plaisir, ok. Donc là, il n'y a plus leur, effectivement leur truc d'attente à la con ou autre. C'est que, c'est, en fait, moi j'avais peur qu'on ait juste, tu sais, on enchaîne, on a les mobs et basta quoi. Mais il y aura un ou deux mobs et ça va plus vite. Non, là, c'est non seulement c'est plus agréable, mais en plus, on a quand même tous les mobs, on n'y perd vraiment rien quoi. C'est quoi ce petit robot là? Merde, c'est par où? Oh putain. Ok. 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 Je gère. Pour une fois, je me suis pas fait éclater. C'est étonnamment. Et fuck. Ah fuck. Évidemment que je vais ma gueule par contre. Classique hein. Terrible. Terrible. Putain. Voilà, on est bon. Je suis déjà niveau 22 avec ma petite Ailey. On est pas mal. Hop, c'est par là. Tac, tac. J'arrive. J'arrive. Hop, hop. Après, je suis pas sûr, Vaidra, parce que tu sais, tu disais ce que tu disais tout à l'heure sur les pics et Ellie. Moi, les pics, ils spammaient quand même du 10 millions. Enfin, je faisais 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions, tu vois. Donc, après, bon, c'est vrai qu'elle est pas encore améliorée. C'est vrai. C'est vrai que. Faut prendre ça en compte. Alors, ah, mais t'es à la manette, Raoul, c'est ça? Mais t'as une télé en 1080p? D'accord, je t'en. Alors. Je connais pas tes moyens, Raoul, hein. Mais aujourd'hui, une télé 4K correcte, c'est moins de 400 euros. Voilà. Je sais pas à quel point c'est envisageable ou autre, mais sache-le, hein, t'as vraiment des télés 4K super sympas à 399 euros, pour être très précis. Hein. Et avec GeForce Now, ça te change la vie, quoi. Voire mieux, même, parce que c'est du tir, donc moins de chance d'avoir des phases rouleaux sur les boss. Ça, c'est vrai. Ça, ouais. Bon, le 3 à voir. Le compo. Ah mais encore il place la batterie en plus. Oh, la dinguerie des compos. Ok, ok. Alors. Tout à fait. Et en plus ça m'arrangeait que ça soit vraiment ce donjon, donc c'est un coup de bol monstrueux parce que j'avais besoin de ce donjon pour lancer un réacteur, enfin je crois qu'en français c'est activateur énergétique. Donc ça se goupille fort bien. Bonjour Witserianati, bonjour bonjour tout le monde. Ah oui c'est vrai que tous ceux qui avaient pas vu, qui m'avaient suivi pendant mes vacances, vous avez pas vu mon écran avec les bandes noires, effectivement. Alors le lien boulanger marche peut-être pas, mais faut faire écran avec un E. Je crois que je l'ai modifié celui-là. Écran avec un E. Si Atrix a l'occasion, tu peux changer ça aussi. Pour mettre le lien du écran avec un E. Je voulais aussi que tu le mettes en tiny URL, s'il te plaît. Let's go!
5, putain. Attends, mais il y a encore des compos, c'est encore du plasma batterie. Ah non. Okay. Sinon, je m'arrête là, regardez. Une touche, merde, mauvaise touche. Ah ! Oh putain. Oh, je sais pas pour vous, je trouve le feedback vraiment du laser magnifique, genre pfiou. Pfiou. Trop bien. Pfiou. Ok, on va tester le snipe, c'est parti. Raté, je vois rien, putain. J'ai oublié d'enlever les explosions, il y a une glaire. Faut que j'enlève les explos en fait. Complètement oublié d'enlever les explosions. C'est ma faute. Gameplay. Audio, display, putain, c'est là. Show me yourself. Allez là. Immunity. Yes, trop bien. Fuck that shit. Ok, on retente. Mais 13 000 ? Ah non, il y a un 2 millions, attendez. Ah, il y a 2 dégâts ! Ah non, ça fait mal en fait ! En fait, il y a un petit 13 000 qui va être les dégâts de glace additionnels. Et il y a un foutu 2 millions qui part aussi. Ah ! D'accord ! Attention ! Et ça passe à travers les trucs. Je crois. Oh oh oh, oh, elle est tellement cool, Ailey. Ok. Trop fun. Trop fun. Et donc là, on l'a fait pépère en 250%. En pick-up. Ça, c'est génial aussi, ça. Non, avec un E, je crois que t'auras mon lien. Excuse-moi, attends. Non, attends, on s'est pas compris. Attends, fais voir. Je crois que je me suis peut-être mal exprimé. En fait, c'est pas le même lien parce que le écran, logiquement, le boulanger marche plus. Ou t'as réussi? Ah non, t'as réussi, j'ai rien laissé moi. T'as bien compris, c'est juste que je me suis fait avoir... Bref, bien joué. Et donc voilà l'écran, c'est qui voulait voir? C'était Witz. Voilà donc mon écran, qui est pour le coup plutôt cool. Ok, nice. Tu peux cancel, il faut... Enfin, tu peux pas tout de suite cancel, il faut appuyer. Bah oui, mais en même temps, ça c'est le truc d'un sniper, Raoul, aussi. Faut faire attention, quoi, tu vois, c'est... C'est tout le boulot du snipe, ça, pour le coup. Je trouve pas ça déconnant, justement, que ça soit... Enfin, faut bien qu'il y ait un risque. Parce que sinon... Touchette, quoi. Ah, le boulanger, il marchait plus. D'un coup, il remarche. Ok. Ok. GG, messieurs, mesdames. Ah, alors, mais je peux t'aider. Oui, c'est un peu plus cher. Quoi qu'il a baissé le prix, mon écran. Il est passé de 1300 à 1000. À 250€, ça dépend. Tu peux soit avoir un très très bon écran 1080p, soit un écran 1440p, 27 pouces, sympa. Qu'est-ce que tu recherches? Peut-être avec grand plaisir, Witz. Ça, les écrans, c'est rapide pour le coup. Je peux aider, il n'y a pas de souci. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai pas pu... 100 000 Cooper Shard. Ah oui. Alors, attends, est-ce qu'on peut voir ces délicatasques là? J'ai une... Peinture aussi. Violet Twitch. Ah, mais il y a pas de drop pourtant. Bon, je sais pas. Hop. Oui. Tout à fait. Talk to guide. Je dégroupe Vaidra et Fireflame. J'ai la vidéo à faire et je vais aider Witz vite fait pour son écran. Enfin, je reste groupé en vrai. Si à vous de voir ce que vous voulez en faire. Alors. Ah, c'est ça que je voulais voir aussi dans la vidéo parce que je voulais voir en jeu. Les objectifs, où est-ce que c'est? Dans le Battle Pass. D'ailleurs, je pense qu'on va le prendre, le Battle Pass. J'étais... Ouais. Alors, incurvé, je le déconseille en 27 pouces. Attends, j'étais en 2K. Je comprends pas, Witch, il est très bien. Si t'as un écran 2K 144-27, en plus c'est en IPS, c'est très très bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis pas sûr de comprendre. Dis-moi tout. Attends, premium upgrade. Ah, c'est que 500? Ok. Un curvé en 27 pouces, ça ne t'apportera absolument rien. Ah, d'accord. Ok. Oui, attends, je t'envoie ça tout de suite alors. T'inquiète, j'en ai un en tête. Je te l'envoie tout de suite, ce sera plus rapide. Hop. T'as quoi en carte graphique? Au cas où, n'hésitez pas à utiliser GeForce Now, hein, si votre carte graphique, elle est à la... C'est la loose, hein.
vous avez des... Attends, il est où cet écran? Vous avez des choses magnifiques. Le ACR, paf. T'as une 4080? Ah ouais! T'as une 4080 et t'as un écran pourri comme ça? Ah ouais, effectivement, ça a changé la vie. Attends, je check. On va faire ça autrement. Tac. Que je me rappelle d'un truc, j'ai un doute, tac. C'est lequel? Non, c'est le ACR, hein, c'est bien ça. Tac, 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 avec le HD10. Ouais, il est très bien, le TUF. Enfin, ça pas... si c'est celui-là, c'était pas... c'était très bien. Il y a bien les ferrailles qui roulent en ville. Hein, ouais. Ça, c'est comme les fils de pute dans le 16e avec leur énorme SUV, tu vois. Bref. Ouais. Pas besoin de... Alors, si tu veux prendre l'Asus, prends l'Asus. Moi, je te conseille l'ACR. 230, impeccable. Voilà. 230, 180Hz, 116 9e, t'es en 27 pouces, t'es en 1440p. Ah, le TUF, il a le G-Sync, c'est ça, peut-être en plus. Attends, je check. Oui, effectivement, ça a été une 4000, il a le G-Sync, c'est du compatible. C'est un petit truc en plus. Ouais, bah prends le TUF, t'as raison, ça a été une 4080. Prends le TUF. Bah, je te valide, voilà. Pas grand-chose, j'apporte pas grand-chose, mais on se comprend. Nouvelle arme, yes, claim reward, yes, yes, ok. Alors attends, moi ce que je voulais voir c'était, est-ce qu'on peut, pour la vidéo justement, voir ces fameux objectifs là? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont ces cons? Quest. Est-ce que quelqu'un sait où sont les objectifs là qui rapportent de la thune là? Avec plaisir, Witz. Ouais non, faut pas se baser sur mon budget, je suis... c'est autre chose. Attends, avant c'était peut-être... Ah attends, j'ai peut-être une idée. Challenge. Daily. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas en jeu, c'est genre caché quoi. C'est une dinguerie, parce que c'est pas la même chose. Alors, au cas où, Witz, au cas où, je te dis que... Tu en fais ce que t'en veux. Je te préviens, je vais être le démon, d'accord? Mais attends, je te propose un truc. Je te préviens, c'est le démon ce que je vais faire. Tu joues à quel genre de jeu majoritairement? Attends, ça dépend. Tu joues à quel genre de jeu, Witz? T'es ton top 2 de tes jeux les plus joués sur ton PC, c'est quoi? Ok. Non, c'est pas ça, mais ce que je voulais dire, ton genre de jeu. Est-ce que, par exemple, si t'étais un genre de FPS dit compétitif ou jeu compétitif, on aurait pas eu cette conversation, c'est ça que je veux dire. Ok. Alors. T'as deux solutions. Moi, ce que je te propose, c'est soit tu restes raisonnable. T'as quand même payé une 4080, donc tu l'as payé quand même 1000 balles. Tu vois, c'est comme un mec qui achète une Ferrari mais qui veut pas payer la révision. Toi, t'as acheté une 4080, si t'as un écran à côté pas ouf, c'est quand même dommage. C'est mon point de vue. C'est une très belle carte graphique, j'espère que t'as le processeur et la RAM qui vont avec. Mais bon, au moins le proco, mais bon. Côté écran, donc t'as deux solutions que je trouve plus intéressantes que l'écran initial. En gros, de passer donc sur du 34 incurvé ultra wide, donc c'est le même format que moi, donc en 21/9. Et tu as la version en Dalvea, ça marche quand même bien. Moi, là, j'étais en Dalvea récemment, ça marchera très bien. C'est des beaux écrans. Tu en as globalement pour 300 à 350 euros. Voilà, eux, je les connais quasiment tous. Il est top. Voilà, je connais juste pas le Yamaha, mais les autres sont tous très bien. Ou en allant un peu au-dessus en termes de budget, mais là, ça fait un peu plus peur. On est sur la 800 euros. Voilà. Moi, c'est pour ça que ça fait un peu peur, ça. Pour ça, à ta place. Si j'avais donc le budget que t'as mis, je prendrais un de ces écrans-là en Dalvea. L'ultra-wide, l'essayer, c'est vraiment la doter. Et au pire, t'aimes vraiment pas, tu peux le renvoyer. Je précise, le droit de rétractation, c'est un droit, comme son nom l'indique. Utilisez-le. Donc, on prend par exemple le Samsung. Ok. Attends, en nouveauté, peut-être on va checker un peu. Est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles techs? On va voir un peu. Tac, tac. Et au pire, je passe, tu sais, sur LDLC. Tu peux payer en 3 fois. C'est pas un crédit, hein, c'est pas Cofidis ou Omet. C'est une empreinte bancaire. Hein. Tu payes juste en 3 fois sans frais empreinte bancaire. Le Asus, comme ça, en plus, toi, t'es avec. Ah, je crois par contre, je crois que t'auras pas. On s'en fout du G-Sync. Hein, c'est pas. Ouais, y a pas G-Sync quoi qu'il arrive. C'est pas grave. Donc tu l'auras pas quoi qu'il arrive.
Bon, dans ce cas-là, envoie celui que tu veux là-dedans. Alors, ça, si tu veux, à toi de voir. Je t'envoie le lien, mais le truc, c'est qu'en commandant en ligne, tu peux payer en 3 fois. Pour ça, à toi de voir. Et au pire, tu peux te le faire livrer dans ta boutique LDLC. Ça peut marcher aussi. Voilà. Globalement, il n'y en a pas de mauvais. Ils font tous le taf. J'ai pas de préférence là-dedans. Le ASUS, je le connais bien, il marche bien. Le MSI, le AOC, le Samsung. Voilà. Et c'est 100€ en plus, mais pour une expérience de jeu très différente. Sur du FF14, oh, tu vas kiffer. Hein. J'ai déjà joué à FF14 en 21e, c'est fou. Warframe, c'est sûrement très bien, mais je connais pas. Voilà mon conseil, Witz. Enjoy. Ok. La vidéo. Hop là. Attends, on va dire ce qu'on avait vu, là, l'histoire. Tac, comme ça. Attends, avec mon nouvel écran, là. Est-ce que c'est trop gros, là, Trix? Parce que tout a pris du poids. Comme l'écran est plus... Est-ce que là, ça serait pas un peu trop gros, Trix? Dis-moi tout. Pour la vidéo. C'est une grosse colonne, là. C'est de la grosse colonnade. En vrai, comme ça, ça devrait le faire. Ok, attends, dans ce cas-là, pas de soucis. Voilà, comme ça ira bien. Ok. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur The First Descendant. Et celle-ci, il faut vraiment que vous la regardiez parce que vous avez un événement éphémère sur le jeu qui commence aujourd'hui, ce 29 août, jusqu'au 9 septembre. Et cet événement, il va vous rendre riche en jeu. En gros, vous avez des tâches quotidiennes à accomplir qui vont vous filer un paquet de pognon. Si vous faites donc 4 missions, 2 zones, vous allez avoir 1 million de thunes. En faisant des batailles de colosses, vous aurez des composants. En faisant une recherche, vous aurez un petit boost d'XP. Et en faisant un donjon, vous aurez 100 000 Cooper Shards. Répétable quotidiennement. Donc là, jusqu'au 9 septembre, il y a 1 million de thunes à gagner tous les jours. Vraiment, ça vaut grave le coup vu comment généralement la thune manque. À savoir qu'il n'y a pas de suivi en jeu. C'est pas fini pour la thune. Vous avez en plus de ça... faisable une seule fois, des challenges, en gros si vous finissez 5 colosses, vous allez avoir un kata blueprint et 1 million de thunes, donc une fois, si vous avez 3 descendants ou plus, vous aurez 2 kata blueprints et 2 millions de thunes, et si vous faites juste 20 missions donc régionales en hard, vous aurez un boost d'XP de 30% pour 3 jours et 3 millions de thunes. Bref, connectez-vous, la saison 1 vient de se lancer, il la célèbre à merveille. Amusez-vous bien. Ok, à toi de jouer à Trix. On est bon. On est bueno. C'est parti. Bon, Ellie, pour l'instant, c'est la... C'est l'amour. Attends, vu les patates que ça met avec un tactical rifle, ça va être une dinguerie quand j'aurai un snipe. Ça va être une dinguerie. Est-ce que je l'ai pas eu là? Oh, je l'ai eu. Fait pas beaucoup de dégâts par contre, 143 000 c'est pas énorme. Mais j'ai eu un belief. Alors attendez, on va essayer. Le problème, c'est que je perds vachement de dégâts quoi. Attends, machine gun, je dois en avoir une. Hop. On va essayer un truc. Attends, je suis à combien là? Ah, j'étais à 27 000 je crois. C'est celui-là. Ah, je suis à 22 000. On est bien d'accord, Rani. Je l'ai pas vu non plus. Peut-être que je l'ai aussi raté. Mais oui, c'est étonnant que ça soit pas mis en jeu. Voilà, je sais pas. Je pense que c'est quand même mieux avec Secret Garden. Hein. Pour l'instant, on va rester. Surtout même pour tous les autres sorts, en fait. Actuellement. Greg. Non, du range. Non. Secret Garden, elle est quand même belle. Hein. Crit. Après, le skill Critical Hit Rate, il est quand même pas fou. Étant donné que globalement, bah. Attendez, hop. Globalement, il n'y a pas de crit avec Ellie. C'est ça, je passe de 5 à 6%. Ouais, le crit, c'est pas son délire. Hein. Clairement, le crit, ce n'est pas son délire à Ellie. Elle s'en carre le cul. Les cooldowns, j'ai plus rien à mettre, on est d'accord. Parce que le cooldown, c'est la vie, mais j'ai plus rien à mettre là-dedans. Non, là, après, ça va être du power. Hein. Power! Peut-être lançant le jeu avec les fenêtres qui s'ouvrent en deux cliquer sur jouer. Ah, attends, je peux check vite fait. T'as trouvé un truc? Oh, elle est forte. Elle est forte. On va peut-être refaire la vidéo dans ce cas-là. Attends, dans ce cas-là... Ah, attends. Ça sera peut-être mieux avec la vidéo, Atrix, dans ce cas-là, et en français.
pour les gens. Si ça se sent, on va voir. Je vais te dire. Et bienvenue, Kenshiro. Et tu cliques sur ligne. Hop là. Alors, voyons voir ça. Voyons voir ça. Voyons voir ça. On relance. On voit que tu es quotidienne, je crois. Selon ce que ça va afficher, on va ou non... Ce soir, exceptionnellement, le premier jour, on va pas cut trop tard. Parce qu'on a plein de trucs encore à faire à la maison qu'on n'a pas fini. Donc, on a... Genre, imaginez, j'ai même pas vidé mes valises tout le bordel. Hein. J'ai eu le temps de rien depuis qu'on est rentré. Là, ça a été... On a été faire les courses. On a pété un câble. Moi, j'en pouvais plus. Hein. J'en ai défoncé mes écrans. Ça ne voulait absolument pas marcher, je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Là, je pense que là, je vais streamer jusqu'à la balade des chiens. Genre jusqu'à 20h, 20h30. Et ensuite, voilà. Oui, mais ce serait bien que ça soit indiqué, Granny. C'est ça le truc. Alors, voyons voir. Donc, c'était pas là-dessus, ok. C'était que sur échappe. Il y a un D à droite pour Daily. Alors, je vais passer mon jeu en français au pire. Cette chanson, elle est que loin de la tête. T'es quel level sur Monster Hunter? Bientôt 200. Je suis 196 ou 17. Ah, petite Valby là. Ah, ça c'est sexe. Alors déjà, on va passer en français. Ça va aider, comme ça, ça va arrêter de râler. Et si j'ai une OP, il faudrait que j'y pense. Hop là, langue voix. Ouais, non, ça c'est... Putain. Ouah, ça a pas aimé. Hein. Ok. Alors, tu m'as dit dans... Attends, c'est dans quoi, Atrix? Échappe. À droite, il y a deux trucs. Ah oui! Ah ouais, mais alors là, attends. Termine un coin d'interception, 0 sur 5, mission difficile. Accomplissez les missions. Ça, c'est les daily, ok. Je fais une recherche. Ouais. T'emmerde pas, fais. Ma vidéo était pas mal. Attends, j'ai tellement de thunes à te gagner là. T'emmerde pas. Ça ira très bien comme ça. Let's go comme ça. Quasiment niveau 200, Craft au gaz. J'y joue toujours autant. Et je trouve ça toujours aussi fabuleux, Monster Hunter No. Ça devient, je crois, maintenant officiellement le Monster Hunter auquel j'ai le plus joué. Je crois que j'ai plus joué à Now qu'à World. Pas de beaucoup. J'ai quasiment 500 heures sur World. Et je crois que j'ai dû dépasser les 500 sur Now. Mais on peut pas voir nos heures sur Now. Alors, je voulais lancer donc. C'est ça, paf. Impeccable. Putain, j'en ai 10 des schémas d'activateur énergétique. Mais quel enfer. Quelle abomination. Et ça me coûte 450 de le... Non, on va attendre un peu, ça presse pas, on est bien. Mais pourquoi tu me rattrapes après? Bah non, mais enfin... je comprends pas, c'est... Et en vrai, les niveaux, tu sais, ça change rien. Hein. Tout ce qui compte, c'est la progression. Hein. Ça, par contre, c'est sans problème. Au niveau des mobs, moi j'ai quasiment fini la campagne en 4 étoiles violettes. Mais j'arrive pas à passer le Puka Puka Corail C'est l'équivalent de 9 étoiles, je crois. Le Puka Puka Corail 9 étoiles, donc 4 violettes, j'arrive pas à le passer. Donc là, je l'ai repassé en 3. Je le déchire, mais en 4, il est trop chaud. J'étais au chapitre 9 sur 12 dans la campagne. C'est, le niveau n'apporte rien, hein. C'est comme les rangs dans... Les rangs dans World, ça apporte des petits trucs. Mais bon, là, c'est pareil, ça apporte des petits trucs, mais c'est pas... Sans car quoi. Ah oui, c'est dans les choses, ça je vais regarder. L'arme, alors. Mais, ah oui, tu es un des membres avec qui on joue, là, je sais plus ce que j'invite, là, de... J'en ai mis sur Amashno. Ouais. Après, faut pas comparer à moi en termes de temps de jeu, j'ai forcément plus de temps de jeu, je ne travaille pas. J'aurai toujours plus de temps de jeu que vous, hein. C'est le... c'est... Bon, c'est comme ça. Axe de contrôle de haute précision, alors ça, oui.
Ah oui, non, mais c'est même encore mieux qu'avant, Vaidra. Tu peux les lancer par 500 maintenant. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Vas-y, j'en lance pour 1,5 million, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est trop bien. Recherche est terminée. Bon, je dois avoir un truc au courrier. Attendez, hop. Je te montre ça, Kashia. Bonjour à toi. Attends, hop. XP de légataire. Bon, écoute, tiens, 5 heures de bonus. Alors, tu vas dans échappe. Et à droite, là, toi, tu as objectif du défi et événement. Tu vas dans événement. Et là, tu as D pour daily. Et ce qui n'a pas de D, justement, bah, c'est que c'est pas daily, simplement. Voilà. À la limite, ce qu'on aurait pu faire à Trix, c'est le faire en jeu. Le montrer en jeu. Faire la vidéo et ensuite montrer. Ah, mais non, on ne pourra pas montrer en jeu parce que c'est à droite dans tous les cas. Non, oublie. Oublie, 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 oublie. Ok, attendez, je voulais améliorer un peu ma Secret Garden, résultat. Elle est quand même pas mal en plus, Secret Garden. Ah, c'est ça que je voulais faire, putain. J'ai trop de trucs là, je suis surexcité. Terrible. Alors. Ouais. Et c'est. Non, c'est un tactical. Alors, il manque quoi pour la faire? Tout. Non, en vrai, ça va. J'ai 3D, ouais, parce que ça, on s'en fout. Ok. Ça, on va le lancer direct. Tac. Ça presse pas. En vrai, le seul truc qui manque, c'est celui-ci. Et je peux l'avoir assez facilement. 112, 82, 34. Ok. Je peux, mais bon, en vrai, la vidéo est déjà. Ah, ça qu'ils trouveront pas quand même, les gens. Vas-y, on va l'en faire. Allez, tu m'as convaincu. Et si tu mets le site sur la droite. Ah, oui, on peut faire ça. C'est avec toi, tu peux déplacer. Oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Allez, vendu. Tu m'as convaincu. Let's go. Tac. Je peux faire donc ça. Hop. Tac, voilà. Voilà. Et voilà. Yep. Comme ça, on est bon. Ça te va comme ça? On refait. Let's go. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur The First Descendant et c'est une vidéo importante qui va vous rendre riche sur le jeu. Vous avez, pour célébrer le lancement de la saison 1 qui vient de se commencer ce 29 août, vous avez un événement éphémère du 29 août au 9 septembre qui va vous permettre de gagner pas mal de pognon et de compos. Mais surtout pas mal de pognon et si vous y jouez, vous savez à quel point on en manque. Résultat, chaque jour vous aurez un objectif qui sera toujours le même, pour gagner là par exemple, vous voyez 1 million de thunes quand vous faites 4 missions, des composants en faisant 2 colosses, etc. En gros, l'idée, c'est que chaque jour, si vous faites juste 4 missions, vous savez, sur des zones, en hard, par contre, ça... Ah non, excusez-moi, c'est même pas, on s'en fout que c'est en hard ou pas, en normal ou en hard, vous aurez 1 million de thunes. Donc faites-le bien quotidiennement, ça vaut grave le coup. Vous avez aussi des petits bonus, en faisant donc des colosses, des compos, en faisant une recherche, vous aurez un petit boost d'XP de personnage, et enfin, en faisant n'importe quel donjon, vous aurez donc 100 000 creepers. En plus de ça, pour vous mettre vraiment plein les poches, vous avez, donc ça c'est faisable une seule fois à chaque fois, mais c'est donc limité également dans le temps, vous avez de quoi gagner. Si vous faites donc 5 colosses, vous avez 1 million de thunes et un... Non, c'est d'une. J'arrête pas de bafouiller dans la vidéo, c'est nul à chier, je déteste ma vidéo, on va la refaire. Nul à chier. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur The First Descendant, et c'est une vidéo qui va vous rendre riche sur le jeu. En gros, pour célébrer le lancement de la saison 1 du jeu qui a commencé ce 29 août aujourd'hui, eh bien jusqu'au 9 septembre, vous avez un événement fixe, un événement quotidien qui vous permet de gagner un max de thunes et quelques composants. Si vous faites des missions régionales, peu importe la difficulté, chaque jour vous gagnerez 1 million de thunes. En faisant des colosses, vous aurez des composants. En faisant une recherche, vous aurez un petit boost d'XP de 5 heures. Et enfin, en faisant n'importe quel donjon, vous aurez 100 000 Cooper Shards. Ça, donc, c'est répétable quotidiennement. Et maintenant, des objectifs qui sont faisables uniquement une seule fois. Si vous faites 5 colosses, vous gagnez un Cata Blueprint et 1 million de thunes. Si vous avez 3 descendants, 2 millions de thunes et 2 Cata Blueprint. Et enfin, si vous faites en hard 20 missions régionales, vous aurez un boost d'XP de 3 jours
et 3 millions de thunes. Donc tout ça, vous pouvez l'avoir une seule fois, et ça, c'est tous les jours. Chose importante, en jeu, c'est un peu caché, donc vous faites échappe, vous allez dans ce menu, vous allez voir ici, donc, événements, et vous pouvez voir, donc, la liste des choses à faire. Quand il y a le petit D, c'est pour daily, quotidien, et voilà, donc là, on peut voir, par exemple, pour la recherche, que j'ai déjà fait, rerouter les gâteaux, donc ça, c'est une faisable uniquement une fois. Bref, c'est vraiment un événement très rentable, profitez-en. Ça va, je pense, nous mettre bien côté thune sur le jeu pour un petit moment. Merci de m'avoir écouté et très bonne journée à toutes et à tous. Et bonjour Sky. Et on est bon comme ça, Trick, je pense. C'était mieux. Ok. On est parti, cher viewer. Secret Garden. Ça, ça presse pas, je peux attendre. Ouais. Ok. Je suis passé hier. Ah, ravi que ça t'ait plu, Sky. On reprend lundi. Et j'ai réfléchi, on va faire Black Miss Wukong, donc quand je me réveillerai. En gros, on commencera en fin de matinée, voire midi, on fera Black Miss Wukong. Genre, je pense pendant 4 heures environ. Et après, on fera des après-midi, soirée sur WoW. Voilà le planning à venir à partir de lundi. Et là, pour l'instant, jusqu'à dimanche inclus, c'est 100% The First Descendant. Vous connaissez The First Descendant ? The device will be enough to filter the inversion energy infused within a descendant's arcane. The design is highly refined and can be fully constructed using the ancestor's materials. Once again, I find myself astonished by the technology of the ancestors. If I had unrestricted access to every part of the ancestors' database, I know humanity could enter a new age of technological progress. Humankind could become the new ancestors. If this happened, we could find the Iron Hearts much faster. Guide, we can't rely entirely on tech. Salut Nicolas, salut Tuco, bonjour vous deux. What the descendants need now isn't technology. Ah, je suis ravi que le bouquin Les Chroniques de Warcraft te plaise. Et en plus, je sais pas ce que t'en penses, c'est un beau bouquin, Sky. Au-delà même de ce que ça raconte, ce qui est déjà pas mal, mais sur la forme, c'est vraiment un beau bouquin. Je trouve, en tout cas. Putain, et le nouveau personnage, Tuco Ellie, elle est trop stylée. Elle met des tatanes du démon en plus. Let me get straight to the point, guide. Could we modify the design of the inversion circulation device to allow descendants to use inversion energy? Yeah, it might be more appropriate to call it an inversion reinforcement device. Ah bah oui, bah c'est le truc justement de la saison, ça, c'est important. Using inversion energy is tu vas voir, il y a plein de beaux changements dessus, quoi. Sur les modules, tu vas kiffer. Auprès de Anaïs, tu vas kiffer. Les quêtes quotidiennes. Oh, on va être riche, Tuco. For those teams, the Ajax team and the descendants who destroyed the Ironheart, the fortress operation was a battle where death was a real possibility. But those of us who faced Corel and his troops in the White Knight Gulch, we also faced death head on. Corel's main forces were definitely enhanced by some kind of powerful energy. Bah ça tombe très bien. Logiquement, tu vas te connecter, t'as 2 millions qui t'attendent. Dans ta boîte aux lettres. After our recent experiences, bim. I now understand the nature of the power. Et 2 kata blueprint. It was definitely inversion energy. Corel used the inverted Ironheart as a power source. If Corel hadn't retreated when he did, would we have survived? Would we have been able to even scratch him? I know that if Corel hadn't withdrawn, the White Knight Gulch would have become a descendant graveyard. To defeat Corel and all those vulgus bastards in the future, we need to be at least as powerful as he is. Instead of completely filtering out the inversion energy, we need to find a way to use it, even just a little. Il faut vraiment faire la quête principale avant de farmer parce qu'on va remplir justement le dispositif inversion d'énergie. It's not impossible.
C'est le truc que je vous ai montré dans le patch note qu'on va pouvoir améliorer pendant toute la saison. Ouais. Hey guide, I've got something to say too. Oh, Luna. I'm sorry, but I agree with the Magnetic Tin Man. The Magnetic Tin Man. I know it looks like I'm just playing around, but right now, my skills, abilities, and equipment are the best they've ever been. But if I had to fight Carell tomorrow, honestly, I don't think I have what it takes to win. I can definitely feel the power imbalance. I'm sure most of the descendants feel the same way, right? I mean, if I had to fight Carell again, I would definitely want to win. Ouais, on a déjà fait White Knight et le donjon. Regarde ta boîte aux lettres avant d'y aller. Thinks like this, imagine how other descendants must feel. The inversion reinforcement device is definitely dangerous, but it might also be useful. We need more power. Oh, yeah. So, a while ago, I heard Enzo mumbling about something. He took a ring out from somewhere and kept playing with it. And saying, if only I were stronger, there's someone I want to be with, and stuff like that. Luna, a public channel isn't the place to talk about this. Check your comm settings. Huh? Why was this button pressed? Did everyone hear that? Yes, Luna. Thank you for the detailed explanation. I also have some thoughts about the inversion reinforcement device. All descendants who are able to attend the meeting, assemble at HQ. And Kyle, please teach Luna how to operate her receive channel. Pauvre petite Luna. All right. This Luna is what we call clicking. Oh, come on. I know that. Ok. Alors. Got a question about the operation? We have been closely monitoring this situation since the descendants began experiencing symptoms. Thanks to yours and the guide's efforts, we have overcome a significant hurdle. Il ressemble vraiment à Josh Brolin, pour le coup. If we can immediately produce and distribute the inversion circulation device to the descendants, we will have averted the worst-case scenario. However, this only applies to the present situation. We need to consider other possible scenarios. If we want to be fully prepared for the future. As Luna has said, if we had to face Carell tomorrow, our chances of winning would be slim. Mais pas zéro. It is likely that Carell and the Vulgus main fleet have disappeared only because we temporarily disrupted their strategy. If Carell's goal is the extinction of humanity, the battle shouldn't have ended in that way. We need to make the most of this suspicious period of calm. In terms of the proposed modified design of the inversion reinforcement device, I intend to officially authorize it as a measure to enhance the capabilities of the descendants. I haven't mentioned this before, but I felt my arche briefly return when I was exposed to inversion energy. Perhaps the inversion reinforcement device will stimulate my arche. Ah, peut-être Alpha bientôt en descendant alors? C'est rigolo. And if it is effective for me, proper use of the inversion reinforcement device could provide even greater power to active descendants. However, there is one condition. For the safety of the descendants, the inversion reinforcement device must be periodically reset. Ah. And their RK must be completely. Et là, c'est comme ça qu'il glorifie en fait le système de saison. The inversion reinforcement device should be used only under these strict conditions. This way, I hope the proposal will be acceptable to the guide as well. I take full responsibility for this decision, and I will use the device on myself first. If there are any issues with it, I should be the first to know. If my RK is restored, I hope I will be able to fight alongside all of you. I am hopeful that the guide will agree to this proposal. Donc ouais, bah peut-être que ça veut dire que le prochain descendant, ça va être à Alpha. Si ça marche. If HQ insists on this, I have no choice.
Modifying the design is straightforward. We can ask the Magisters to start production right away. However, handling inversion energy itself... Et c'est quoi alors le prix? I believe in humanity. But I must continue to watch over you to ensure you don't become addicted to such powerful forces. Ah si, moi je veux bien être addict à la puissance. I hope you understand, Descendant. Non, elle a vraiment un gros boule, quand même, Ellie. Hein. Elle a un boule qui me chamboule. Terrible. Terrible, terrible. Hop. Parlez à Anaïs et à Albion. Let's go. Hop. Elle a un boule qui me chamboule. Hop. Je peux me connecter à mon boîte mail, s'il vous plaît? 15 trucs à faire à la fois, en même temps. Ok. Alors, il paraissait plus petit dans le trailer, je préférais. Ah là, il est Moi, j'aime bien les bons boules, donc ça me dérange pas, mais il est... Voilà quoi. Elle fait des squats, on va dire. Elle bouffe des squats, Ellie. I can analyze a full range of ancestor technology immediately using my facilities. Let's see what secrets these reveal. Alors, c'est parti. Alors, c'est ça, oui, extrait dans 97 jours. Donc là, on a 100 jours globalement de kiff pour s'amuser avec ça. Et après, on perdra tout, hein, soyons clairs, on recommencera à zéro, mais il sera pas le même, logiquement. Alors, quand vous éliminez un ennemi, qu'on fait augmentation de biodensité, PV max, def... Ah, truc de tank plutôt, ça, ok. Pour avoir rechargé, qu'on fait membrane à particules, résistance au feu, coup de base d'incompétence... Pour l'instant, pas trop... D'accord, ça c'est pas mal en mode survie. Oh! Oh! Comme ça, attaque des armes à feu, moins 32%, c'est naze. Délection. Ça, je comprends pas tant. Pendant l'invasion de l'ordre de la vérité, qu'on fait. Ça, ça doit être un des trucs. Ah oui, ça, c'est un truc saisonnier. Vous savez quoi, je vais prendre le truc saisonnier pour l'instant parce que j'ai pas compris le reste. Après, il faudra avoir les autres points. Ouais, ça change après, forcément. Et on peut le changer. Ouais, on peut réinitialiser comme on veut. Génial. Bouclier max, def, PM, portée, ouais, plein de trucs. Commencing inversion energy amplification. Ok. Schéma... Ah, mais je peux l'ouvrir, le 112, déjà. Oh. J'ai ce qu'il faut pour l'ouvrir. Ah, mais maintenant, c'est que ça a changé, les compos, aussi. Attendez. C'est où? C'est là. 112, ouais. Oh. C'est trop bien, ça, aussi. Pour l'instant, je le trouve pas incroyable. Mais on va voir ce que ça apporte réellement, quoi. Attendez. Schéma de Syncytium. C'est ça qui me manquait, non? On va valider la 4, déjà. Is the inversion reinforcement device. Its operating principles are similar to the module system that controls RK, but it's much more sophisticated. You may not be aware that the inversion energy you've absorbed is stored within your RK at a very minute atomic scale. Et quand est-ce qu'on peut jouer les magisters? Ils sont classe quand même. This device connects that inversion energy with your RK. Which will enable the activation of various powers. Alors, je suis tellement bien dans ma chaise. Quel plaisir. Quand tu fais chaud. Tu viens avec moi, la tate? The ancestors' technology never ceases to amaze me. This device is intriguing. HQ said that all inversion reinforcement devices should be periodically reset. T'inquiète, le panneau, je toucherai rien dessus, c'était juste pour l'OP. Hein. Je pourrais même l'enlever.
En mode vis ta vie, enjoy, fonce maintenant ou quand tu pourras. NP. Mais c'est gentil de demander. I'm glad I stuck with humanity after all. I'll have the opportunity to research some very interesting technology. Ça va, Nat-Nat ? Dis-moi tout. Comment tu te sens ? Ça se fait pas trop chaud en bas, ça va ? Pour ça, tu veux pas venir dans la pièce ? Non, j'ai pas de place, j'ai pas envie. Je peux t'aider, je peux prendre quelques minutes ? Non, non, je vais faire un truc sur mon PC et pas. C'est pour pas qu'il y ait trop chaud, c'est tout. Ouais, c'est le pic de température aujourd'hui. C'est le dernier jour. Ça va monter à 35 de ce qu'on a vu. Hein. Mais c'est le dernier jour, donc bon, on est là. Voilà, j'ai la petite clim qui carie un peu, heureusement. Petite clim portable. Mais ouais. Ah, attends, regarde chaque zone, voyons voir. Ah oui, mais ça, je l'avais vu dans le... Ah non. Je pensais que la cité rouge, les trucs d'invasion, logiquement. Je pense que peut-être j'avance encore dans la quête. Mais ouais, ça va... Alors là, on est à 31 là. On avait vu 35, ça va peut-être pas atteindre les 35 finalement. On va voir. 32. 33 finalement, ok. Ça va rester à 33. Chez toi ? Ah oui, non, finalement... Ah oui, ça devait descendre. Ah non, mais ça va... Ça pète pas... Ça devait péter demain. Il devait pleuvoir. Il devait pleuvoir. Elle est où la pluie ? Nat-Nat ! On va pleurer. Ils ont annulé la pluie. C'est vrai qu'il va faire 31 jusqu'à dimanche inclus. Tu veux pas qu'on fasse ça ? Non, j'ai pas envie d'être sur mon PC portable. J'ai marre d'être sur mon PC portable. Ça, je comprends. Mais tu vas avoir chaud. Tu veux que je te ramène ton PC fixe ? Franchement, je t'aide pour tout. T'es la méca pour hop. Je sais pas de quoi tu parles. Enfin, t'es en maths. Ah oui, 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 oui. Ok, ouais, on va valider la quête. Alors, non, mais j'attends de voir un truc, Mozart. Chez moi, il pleut bientôt, là. Va chier, toi. Putain, il devait pleuvoir. Demain, on avait vu. Fuck. Fuck. Attendez. Not only will this help descendants to become stronger, it should allow any of them to regain their abilities. Now, recall the descendants who are no longer battle ready back to Albion. And begin distributing the inversion reinforcement devices. Alpha, we can't detect a Nassive signal from the descendant deployed to the Vulgus Fortress. We've pinpointed their last known location to nearby the quarantine zone. Wait, the descendant deployed to the Vulgus Fortress is... The new recruit to the descendant corps, Haley. We can't detect her vital signs. Damn it. All available personnel, please provide support in the quarantine zone immediately. We can't afford to lose our new descendant. Hurry! Alors. Ok. Parler à Alpha pour commencer l'opération de sauvetage dans la zone de quarantaine où Ellie est isolée. There isn't much time. Bonjour immédiatement. Ce qui est bien, c'est que je vais aller sauver Ellie. Avec Ellie. Ok. Ok. Y'a pas de problème. Ça roule. Allez, on fait ça. Allons sauver Ellie avec Ellie. Et donc, Pour ma... Alors, si ça a un... Si ça a le moindre impact sur ta décision... Avec, on va jouer avec Nat aussi d'ailleurs, je l'ai motivé pour jouer à Warizen. Nous on reprend, enfin moi en tout cas je reprends Warcraft lundi. Voilà. Là je suis 100% x5 jusqu'à dimanche inclus. Et à partir de lundi j'alterne entre Black Myth Wukong. D'abord Black Myth et ensuite à chaque fois je ferai des soirées Warcraft. Voilà. Descendant, we're detecting inversion energy coming from the Vulgus structure. En plus de continuer à faire les 120 bien sûr de temps à autre, hein. Mais c'est juste que là je vais tellement marathonner que bon. Vous une tuile, hein, que l'énergie bloquant le portail. Je sais pas moi c'est quelle couleur le portail. C'est transparent. Bah transparent alors. Ok.
block the energy. If we can find the device, c'est trop bien le 1, je spam le 1, j'ai pas besoin de viser, ça meurt. Ça vise. Pas sûr de tout comprendre. Hein. Hop, attention! Laser! J'ai vu un demi en 9 là. J'aime. Sur Wizin, ouais. On va faire un nouveau personnage, je sais pas quand par contre. Mais oui. Mais il fera moins chaud, je pense. Je suis pas sûr du tout de comprendre l'histoire là. Plus que j'aille sur les tuiles. Bah elle est bien l'extension, enfin le début d'extension est très bien. Il est objectivement très bien pour le coup. Trouver une tuile sur le même trait arcanique que l'énergie bloquant le portail et maintenir un taux d'occupation de 100%. Ah attends. Je viens de voir que ça remplissait là. Et ensuite y'a encore un truc qui se remplit ou pas? Oh, c'est trop classe ce petit. Wouhou! Ok. Tellement classe! Le petit drift qu'elle a fait avec le genou, trop stylé à l'anime. Je comprends pas, je dois être teubé, hein, mais je comprends pas ce qu'il veut faire. Que le portail, c'est quoi le. Ah, le portail c'est là-bas, attendez. Ah, faut le faire dans l'ordre! Attendez, ça c'est vert. Et si je reste sur le vert, ça dégage la verte ou pas? Il faut le faire dans l'ordre. On en parle après avec plaisir, Lou. Là, faut que je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui n'est pas évident. Dis-moi tout. Oui. Ah oui, oui. Ouais. Ah, j'arrive, pas de soucis. Parlant de nat. Ça c'est quelle couleur là? Peut-être être dans l'ordre. Faudrait la bleue en premier. Ça c'est la. Et donc la bleue c'est là-bas. C'est ça? Ok, là ça a marché. Je suis pas trop sûr de comprendre pourquoi là ça a marché. Mais ok. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie pause en jeu. Lou. Lou. Extension War Within. Oui. Globalement, c'est vrai qu'en termes de. Ce qui est motivé là, hein, c'est que sur tous les aspects, aussi bien casu, solo, multi, mais de début, ça veut pas dire que l'extension est bonne. C'est-à-dire que le début d'extension est bon. Et ça, c'est important de le nuancer. Ça se trouve, ça a pué la merde après. Hein, c'est important de le comprendre. Mais en tout cas, sur le début, l'histoire se suit avec plaisir en termes de narration, la forme et le fond sont bons, le visuel des zones et en termes d'art est très bien réussi, pareil pour le chara-design. Les quêtes sont réellement intéressantes, les quêtes sur le fond et sur la forme de la campagne principale sont bonnes, sur les quêtes secondaires sur la forme sont pas très intéressantes, mais sur le fond sont excellentes. Les donjons sont diablement inventifs, avec notamment les donjons exclus 80, avec plein de choses à faire en donjon, avec les montures, avec les zones d'ombre, avec là, les bougies, là, les... Enfin, il y a plein de petits mini-jeux à droite et à gauche qui rend les donjons super vivants. C'est la musique... Oh, la musique géniale. La musique banger 10 sur 10. La musique, je pense pas qu'il y a une seule personne qui va te dire... ou alors t'as tous les connards qui jouent sans son, ou détestent. Mais la musique, elle est... sublime. Vraiment, vraiment sublime pour le coup. Ils ont enfin rattrapé FF14 là-dessus. Pour moi, FF a toujours été largement dominant sur l'aspect OST, sur ces trucs. Il y a 2-3 musiques de WoW qui sont vraiment cool, mais sur 20 ans, quoi. Là, elles sont... toutes les zones, la musique est une dinguerie. Le système de talent est excellent. Pour vraiment, pour une fois, on peut aller chercher toi une belle customisation de son personnage, créer des builds rigolos, un peu en mode hack and slash.
mode Diablo ou Pass of Exile, mais sans la prise, sans trop de prise de tête. Mais la bonne prise de tête, on va dire. Mais ouais, tout est très bon. Vraiment, je pourrais pas vous donner actuellement de points négatifs sur des extensions, parce que j'en ai pas vu pour l'instant. Le système de bataillon aussi, les réputes partagées au compte, enfin bref. C'est très reroll friendly. Oh, c'est beau, hein. Ah, il y a encore l'histoire des tuiles, là. Alors, attendez. Elles sont où, les tuiles, là? Ok. Donc là, si je comprends bien, faut que je commence par la rouge. C'est ça? Là, c'est la violette. Allez, 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 allez! Ok, one shot. Ça, j'aime. Je vais crever. Non, c'est bon. Ok, la violette, il s'est rien passé. Alors, attends, on va essayer la rouge. Si je la trouve. Bon, alors, faut juste toutes les remplir, en fait. Faut que j'aille sur les points. Et juste toutes les valider. Là, elle est validée, elle est validée. C'était juste ça, en fait. Je pense que je me prends trop la tête. Hein. Classique. Allez! J'ai eu beaucoup de zéros. J'ai eu beaucoup de chiffres. Là-bas, non? Attends. Ouais, mais au-dessus du dos, moi, je sais vite. Pour ça, je ne comprends pas du tout. On va voir. Est-ce que là, ça valide ou pas? Je sais pas. Ouais. Oui, mais j'ai pas compris à quoi elle servait, ça, toi. Pour une tuile, le même trait archéologique que l'énergie bloquant le portail. Mais tu vois, elle est transparente. J'ai eu le même problème sur le premier coup. Ça, je suis peut-être très con, hein. Je comprends pas les couleurs. Mais je les ai déjà chargées. Hein. Ouais, mais pareil quand je suis dessus. Je comprends rien, attendez. Je vais être teubé, hein, mais ça m'aide pas du tout ce que vous dites. Hein. Je vous le dis, hein, ça ne m'aide absolument pas. Au contraire. Je les vois déjà, les couleurs des dalles. Ah, c'est juste que je dois en allumer 3 pareils. Alors, attendez. Mais il y a un ordre, quelque chose. Ok, donc. Ouais, mais la jaune là qui est allumée maintenant, c'est trop tard. C'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai tout allumé, non? Ah non, la jaune n'avait plus allumé maintenant. Ok. Attends. Ah, maintenant la violette. D'accord. Attends. Tu dois être teubé. Pour moi, c'est toujours pas très clair. Hein, je vous le dis. Au moins maintenant, je vois les couleurs. Très bien. On va charger ça. Ok. Et vert. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas la verte. Je comprends rien. Ça est en train de me trigger, vous n'avez pas aidé. Hein. Je prends sur moi, hein, de ouf. Hein. Il n'y a pas la verte. Allez. Ah là, putain, elle est là. Évidemment, elle n'est pas avec ses copines. Nick. Cassez-vous, les connards. Ok. Je sais pas s'il y a un ordre ou pas, par contre, effectivement. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a pas d'ordre? Est-ce que c'est une question de délai? C'est pas clair, hein, je vous le dis clairement. Donc, Lou, ça, j'ai répondu. Les donjons invasion. Là, j'ai pas encore checké ça. Voilà. Il y a pas d'ordre, faut juste activer la couleur. Ok. Putain, mon proco. Ouais. Ok, je vois ce que je dois faire. Et aujourd'hui, ça va pas être un énorme live, tant que j'ai vraiment une chier de trucs à faire. Même pour le stream et tout, j'ai lancé l'arrache. Alors. Infusion d'inversion. Donc attends.
Que je comprenne bien. Alors, voyons voir ça. Pour l'instant, je vois pas du tout. Je vois qu'il a le boubou. C'est jaune, peut-être qu'il faut aller sur le jaune. Oh, il m'a fait tellement mal, le boss. Terrifiant. Il est à côté du jaune, donc non. Ah! Là, il y a une barre de vie. Oh merde, merde, merde. Bonsoir. On va essayer de tirer à travers. Oh, ça marche! Oh, oh, oh! Trop bien! C'était pas du tout voulu. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Ok. Si je reste sur du jaune, il se passe quoi alors? J'arrive que c'est jaune et rouge. La fraude est toujours là. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Attends, son bouclier a sauté là. Merde! Non, putain. Mais son bouclier a sauté là. Je reprends à zéro. Ah, putain! Ah. Ok, là c'est violet, d'accord. Bon, je pense que j'ai la bonne strat. Trouvez la violette, elle est là-bas. Ok. Ok. C'est bon, ouais, je vois. Ok. Allez, 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 vite, 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 là. Wouhou ! Tellement stylé à élire ! Oh, elle est trop bien ! Le feedback, il est génial. Ok. Descendant, do you hear me? This is HQ. What's your status? Alpha, the battle isn't over yet. Ah merde! We're still detecting a strong Vulgus signal. Ah! Dommage! Putain, ce plan sur ces seins, j'en peux plus, moi. Bah, elle est pas contente. Ah oui, j'ai Ailey qui va sauver Ailey. Il va se prendre une balle de snipe, comme Jaja. Les plans de caméra, mais... Ils savent tellement ce qu'ils font, ces enfoirés. Ça, c'est classe, par contre. Ça, c'est très, très classe. En vrai, la cinématique est quand même plutôt classe. Et y a pas besoin des plans sur les boobs ou sur son boule, quoi. Ah, la scène est vraiment stylée, l'arme est magnifique. Et le personnage est classe en soi. Avec son pantalon taille haute, là. Plein de combi, d'ailleurs. Donc là, vous avez vu, il y a Ailey qui a sauvé Ailey. Ok. Ah oui, un cristal catalyst, comme as. Nice. Ok.
Mais la scène est classe. En vrai, la scène est plutôt classe. Bon, par contre, je kiffe le personnage. J'ai hâte qu'elle ait un autre skin, parce que je suis pas très fan pour l'instant du... Le skin de base, je le trouve un peu ridicule, je sais pas... Puis même au niveau des hanches, enfin, c'est large, mais pas le vrai large. C'est pas parce qu'une... Logiquement, une femme avec des hanches larges, ça ressemble pas à ça. Donc c'est large, en laissant d'être mince, enfin, c'est chelou. Quoi. Mais les comps et tout sont classe. Bah oui, mais c'est pas vraiment large, tu vois, parce que le... Désolé, Natat. Ma femme a les hanches larges. elle a des cuisses, hein, elle a des bonnes cuisses. Et ce que je veux dire, c'est que logiquement, tu vois, les cuisses seraient censées être plus rapprochées. Là, en gros, les jambes sont trop écartées à droite et à gauche. Elles devraient être plus rapprochées l'une de l'autre, les deux jambes. Et ça serait vachement plus cohérent dans le perso. De derrière, c'est moins choquant. Sur un jeu... Oui, mais même... Ça, c'est autre chose, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que même sur le jeu, tu vois, de derrière, bon, c'est pas encore trop choquant. De devant, on voit que les jambes sont trop écartées. Et elles partent vraiment chelou, quoi. Ils ont tellement voulu faire une sorte de side gap que bon, c'est étrange. Voilà, voilà. C'est ça, la posture qui est naturellement est pas bonne, tout à fait. Attends, là, Ibot, je vais dégager le timer de WoW. Dégager ça. Mais ouais, parce qu'en plus j'ai Lady qui a fait un boulot pour la chaîne absolument fou. C'est plus en plus dur d'être créé dans mon côté, je suis plus streamer pro, donc je ne suis plus streamer pro, mais elle a fait... elle s'est déchinée, elle m'a fait un pack complet. Parce qu'il y a des gens que ça trigger, genre Buffalo, que mon stream ça soit une cam et le jeu. Moi ça a toujours été très bien. Depuis des années que je stream, j'ai ma cam, mon jeu et nique tout. Voilà. Et là j'ai Lady qui m'a fait un truc de dingue. Faut que j'aille checker ça. Il y a besoin de plus, je pense pas. Après là, voilà, Lady a bossé comme d'hab avec beaucoup de talent, donc bon, hâte de... Faut que je vois un peu ce qu'elle a. Elle a même fait les alertes sub, tout le bordel, enfin elle a tout fait. Elle s'est donnée. Hein. Haley, reporting for duty. Ah, il y a Haley qui parle à Haley. I appreciate your support out there. I was able to safely complete my first mission, thanks to you. I also heard that this inversion amplification process wouldn't have been possible without you and the other seniors. During the operation, I wasn't feeling well, but I didn't realize it was because of inversion energy. Anyway, the being that I can see behind you, is that the guide system? It is good to meet you, Haley. I am Guide. The Descendant-specific genetic user interface. I'm glad we have another Descendant. I have finished synchronizing with your RK. I look forward to working with you. It's an honor, Guide. I look forward to working with you, too. Phew. I was slightly worried that I might not be able to link with her. Like that senior whose name we won't mention. So that's a relief. Although... That person, when I was a regular soldier, he helped me out of a few tricky situations. I was really shocked when I heard that he'd committed treason. He wasn't like that. Ah, c'est Jérémy? But since my arc, elle doit parler de Jérémy, je pense. I am determined I will never become like him. I aim to be an honorable descendant, just like the seniors who have come before me. So, I've linked to the guide, and my inverted energy issue has been fixed as well. All that's left is for Eugen to confirm I'm fully healed. I'll concentrate on recovering as soon as possible, and get back to the front line. Hope to see you out on the battlefield soon. It won't be easy getting Eugen to sign her off as fully recovered. It'll be some time before Haley is back on the front line. Yeah. Descendant. HQ has initiated an operation which requires the deployment of the Descendant Corps. When you finish your equipment maintenance, head to HQ. I'll be ready to brief you. Ok. Alors, j'en suis pas encore aux histoires d'invasion, on va voir ça. This is an important operation. Descendant. Do you remember the Vulgus commander that you and Haley encountered in the quarantine zone? Ah bah oui. While retrieving and examining the corpse, pour donner un peu une idée, Lou, je la trouve tellement bonne l'extension que je vais raider et faire du donjon dessus. Je ne ferai pas par contre que ça, contrairement à avant.
Surtout qu'il y a Space Marine 2 qui arrive, qui a l'air incroyable. Mais je vais lui donner une vraie chance. Eckert's analysis identified data packets with similar patterns to these communications that were sent to locations across Ingress. The only Volgus facilities capable of receiving such complex data packets are their strategic outposts. Descendant, your next operation will be to attack Volgus strategic outposts across Ingress. Bah ça dépend ce qu'on appelle mieux marché, Mirzol. C'est ça le truc. Mais je suis d'accord avec toi, hein, mais qu'est-ce que c'est mieux marché, tu vois? It seems that in the time since the fortress was destroyed, the Volgus have been plotting something new. If we want to be prepared for what comes next, we'll need accurate information. You have your orders, Descendant. Attack the Volgus strategic outposts and gather information about the enemy's new encryption system. C'est là où c'est toute la subjectivité ou même l'objectivité d'une certaine manière du mieux. Qu'est-ce que c'est mieux? Moi, j'amuse effectivement beaucoup encore plus. Ça, y a pas de doute là-dessus. Ok. Sauf que si on regarde les chiffres. Si on regarde les chiffres, j'ai perdu 2 à 3 fois mon audience. Elle s'est divisée presque par 2, même plus que par 2, sur un jeu comme ça, c'est par 3. Donc en théorie, c'est moins... En clair, je m'en fous, hein, mais en théorie, c'est moins bien. On est d'accord. La chaîne génère aussi... Tu m'as oublié complètement. J'arrive. Ça va toujours. Alors. Tiens, pour ceux qui suivent le travaux de la demeure du Hobbit, les travaux ont repris avant-hier. Il y avait le congé du bâtiment. Et là, ça a enfin repris. C'est assez stylé. Ce qui est plutôt stylé. Ça fait du bien. Ben... Et donc les factures aussi, ça, quand vous voyez des devis à 30-40 000 euros en tout, ça fait... En tout, il y a plus de 200 000, mais ça fait peur. Toujours impressionnant. Les transferts d'armes. On va la booster. On va prendre n'importe quelle arme, la vipère. Voilà. On va la passer niveau 100, la nouvelle arme, et maintenant... Ajustement d'armes, ok. Non, rien ne m'intéresse. Bah là, tu vois, je vais en parler avec Nat. T'as le toit, c'est 24 000. Tu as la façade, c'est 20... Non, c'est 28 000, je sais pas combien, enfin. C'est des grosses sommes, quoi, ça fait peur. Dégâts critiques. J'aurais bien dégâts critiques en fait, des armes à feu. Ou taux de critique en doré, quoi. Pour l'instant, on continue. Oh putain de merde. Ok, dégâts critiques, armes à feu, on l'a en doré. Ok. Si, ça a été enfin réglé. Alors, quasiment. On a rendez-vous en fin de septembre, il y a enfin quelqu'un qui se déplace. Ça aura pris de avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça aura pris 6 mois pour qu'un gogol de chez Enedis comprenne qu'il y a juste besoin de... qu'il vienne
et qui donc sortent le... Alors en gros, ça s'appelle comment, une sorte de déplacement de compteur. 6 mois. Un enfer. Ça, là, tous les travaux ont repris. Et c'est cool. Enfin, ça descend, là, les matériaux. La thune aussi, d'ailleurs. Très bonne question. Je réponds dans un instant. Très bonne question, pour le coup. Allez! Je vais rester comme ça, c'est du bleu, mais au moins j'ai le taux de critique. Alors, tac. Elle est cool quand même, Secret Garden, mais c'est vrai qu'il faudra mieux jouer sur un snipe. Ah, c'est ça. Donc, pour te répondre, Lou, parce que c'est une bonne question. Oui, alors le conflit d'alliance est neutre. Alors, je suis pas, oublie pas, hein, j'ai pas joué d'instinction. De ce que j'ai compris. Maintenant, même en PVP ou en donjon, tu... Alors, le donjon, par exemple, tu peux pas aller en matchmaking en interfaction, mais si j'ai pas de bêtises, en... si tu es en pre-made, tu peux genre grouper avec, si t'as un orc avec un elfe, et aller en donjon ensemble. Voilà. Donc, il est pratiquement en guild, je crois pas. À vérifier, hein, j'ai peut-être une connerie, mais en guild, je suis pas sûr qu'on puisse. Mais oui, les factions maintenant sont vraiment unies contre un ennemi commun. Bah, en même temps, s'ils continuent leur connerie, la planète va disparaître. Hein, donc bon, il n'y a pas de choix, hein, faut se sortir les doigts. Voilà. Ok, donc ça je l'ai déjà, c'est un sitium. Pour Secret Garden, ok. J'ai plein de trucs à faire. Je vais faire un petit live aujourd'hui, parce que j'ai un milliard de trucs à faire. J'aimerais bien m'occuper de mon stream, j'aimerais bien m'occuper de mon bureau. Et les jours, en fait, le fait que les jours à venir il fasse chaud, on va checker un peu ce qu'on peut faire aussi. Donc on va faire un petit live, j'en fais encore un ou deux trucs. Et en plus les drops commencent demain, donc ça sera la bonne occasion. Par contre j'ai envie de continuer de parler de ce que vous racontez tout à l'heure avec Nierzol, ce qui était quand même intéressant. Alors ça fait moins, je fais le jeu, live. Ouais. Alors pour le coup, Nierzol, de toute façon Lou a super bien répondu généralement. C'est ça. C'est-à-dire que je couvrais dans tous les cas que les jeux qui m'intéressaient, Nierzol. Soyons clairs. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire en stream, c'est-à-dire que... C'est juste qu'avant, s'il y avait par exemple 5 jeux qui m'intéressaient, j'allais prendre le jeu qui a le mieux marché en live. Bon. Là, je l'ai fait juste selon ma pure envie du moment. Parce que là pour le coup, clairement, je n'ai plus mon retour, je n'ai pas mon nombre de viewers. Car le cul complet. Attendez, tac. Et c'est vrai que ça m'a permis, comme quand j'étais là pendant les vacances, de lancer des lives à 2h du matin. Alors je voyais un moment, parce que j'ai un truc qui me le met de temps en temps, j'ai Wisebot qui me dit parfois combien j'ai de personnes. Donc je savais qu'on était genre 35-40. Car le cul, clairement car le cul. Mais voilà, après l'année dernière, ce qui était cool aussi, c'est que... Enfin, il y a une notion quand même, c'est cool, c'est que j'avais quand même l'employé à plein temps. Lou, j'avais l'employé à mi-temps, Atrix. Je bossais avec plein d'indépendants régulièrement. La chaîne gérait quand même beaucoup d'argent, donc... En soi, en termes de business, c'était mieux. Parce que tout était plus gros, il y avait plus de monde, plus de thunes, plus d'employés. Donc il y avait plus de possibilités aussi de réaliser les trucs. À ce niveau-là, en soi, c'est en théorie mieux. Mais c'est là où je dis que le mieux est subjectif. Parce que ça dépend bien sûr des attentes de chacun. Ce que je fais aujourd'hui en stream, les gens, d'autres personnes, c'est plus compliqué pour d'autres affaires. Parce que moi, j'ai pas besoin de thunes. Je le dis d'ailleurs tout de suite, hein, je n'ai pas besoin de vos subs si vous vous subez. Alors je prends votre argent avec grand plaisir, j'aime toujours l'argent, ça ne change pas. Mais, oui, la dernière cryptage, j'ai en poste. Mais, j'en ai pas besoin dans le sens littéral du terme. Je n'en suis pas dépendant pour payer mes factures, j'en suis pas dépendant pour bouffer, ou tout ça quoi. Oui. Si un jour des coups, un raid donjon. Alors, Lou, soyons clairs, ça sera avec grand plaisir qu'on joue ensemble à War Within. Je sais pas si Siza y joue aussi, mais ça sera en tout cas avec grand plaisir. Je ferai pas de guild, soyons clairs, je ne ferai pas de guild. Mais moi, jouer avec le chat de temps à autre, c'est toujours. Enfin, même en général, les donjons autres, je peux les faire avec le chat, je le fais toujours avec le chat, toujours plus sympa. Toujours. Je voulais faire un truc. La quête. Alors, elle est où la quête? Je laisserai bien un petit colosse quand même. Attends, j'ai combien de points de vie pour l'instant? 10 000 HP, ça monte un peu, ok. C'est mieux les points de vie, d'accord. Partir de lundi.
Et c'est ça, il y a Nat aussi, elle va s'y mettre en fait quand elle revient de ces trucs. Ah, ils ont. Oui, je l'ai vu, le Made Black. Oui, je l'ai vu passer ça sur Reddit. J'ai pas de skin pour l'instant. Attends, quand il y a de la nuit blanche, c'est ça et c'est là. Ah, c'est genre n'importe quel avant-poste en fait, j'avais pas compris. Obtenir les données cryptage de. C'est quoi? Faut juste que je fasse 5 avant-postes en difficile, c'est ça? Je fasse pas comprendre. On va aller en faire un, on va voir. Alors, tac, c'est parti, voyons voir ça. Voyons voir comment ça se goupille. Bon, pour l'instant, en tout cas, Ellie, 10 sur 10, le perso, hein. Gros kiff. Et c'est le truc en ce moment, tu vois, par exemple, c'est que j'ai vraiment beaucoup de jeux en ce moment qui me plaisent. C'est pour ça que là, je suis vraiment à fond du First Descendant pour faire tout ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Et je sais qu'ensuite, bah voilà, Black Myth Wukong me branche quand même énormément. J'ai envie aussi d'avancer sur War Within. Et après, il y aura, alors pas, je ferai pas sûrement pas des One, mais le 10 ou 11, on attaquera donc Space Marine 2. Mais ouais, il y a plein de choses. Mais si je le fais par contre par passion, parce que tous les jeux ont l'air trop bien, quoi, c'est l'enfer. Attention, est-ce que ça traverse les trucs là? Oh, ça marche! Oh, oh, oh! Vous voyez, moi quand vous avez ce genre de truc, je ne peux pas ne pas aimer, enfin, c'est trop stylé. Hein. Trop de monde, putain! À l'occasion, ouais, j'ai. Comment il s'appelle? Mais j'ai déjà une clé. J'ai déjà une clé pour le bazar. Attendez. Hop! Allez! Tire! Attends. C'est gentil, mais j'ai déjà. Putain. Allez! Ok, il est où le dernier? Allez, tire! C'est bon. Pas grave si je meurs. Ok, et maintenant. Il est où le boss? On tire dans le lard. Merde, c'est un double boss. Je suis mort. Putain, ça va être dur avec Ellie, ça. Ça va être tendu, hein. Je sais pas si je vais arriver. Hein. J'ai plus le droit de mourir. Nous, on est Horde. Ah, je joue Horde, purée. Ah, j'ai des renforts, magnifique. Oh, vous avez vu le monde de mobs? Ah là, c'est du hack and slash, je crois, mille, hein. Oh, nice, il m'a aidé à clear. Ok. Allez! Ok, 1 sur 5, c'est ça. Faut juste que je fasse 5... 5 avant-postes. Pas de soucis. On va en faire un autre, hein. Celui-là est beaucoup trop tendu pour mon petit cœur. Attends, où est-ce que je dois ouvrir le 112, tiens? Le 112, c'était pas ma genre marée des échos, je sais plus. On va aller à côté, là. Mais donc voilà, il y a plein de choses. Après, la bonne nouvelle, moi je suis en pur yes live, donc j'aimerais bien y rester. Pour justement, parce que j'ai aussi envie de passer du temps quand même avec Nat. Après, la Nat va pas être là pendant quand même un certain temps. Elle va. Truc IRL. Ça va être pas mal. Mais là, il y a beaucoup de choses. La rentrée, c'est une vraie rentrée de gaming, quoi. Ah, il vient d'être fait, pas de souci. Et le truc, c'est que il y a pas genre des jeux où j'ai pas où je suis en mode ça a l'air sympa et ça peut attendre. Non, Black Myth, je veux le faire. Within, j'ai envie de progresser. First Sunland, j'ai envie de progresser. La saison a l'air, ça a l'air juste trop bien pour l'instant. Et Space Marine 2, ça a l'air quand même grave cool. Donc après, voilà, Space Marine 2 est un peu tendre, donc bon, ça se ressent. Yes. Bah c'est ça. C'est après, je sais pas à quel point tu me suivais avant, Nierzol, c'est un peu vexant, mais
Dans le sens où, attends, si tu suivais pas, y a pas de souci, mais c'est-à-dire que si tu suivais, et voilà. Avant, j'en avais pas besoin de l'argent non plus, c'est juste que, enfin, j'avais besoin d'argent si je voulais payer mes employés. Ça peut être pas mal. Je prenais pas l'argent pour moi. J'avais la boutique, tu vois, qui prenait un SMIC par mois. Y avait donc Lou qui prenait pas un SMIC par mois. Atrix, un demi-SMIC par mois. Donc il y avait en fait tout ça. Et je le faisais parce que je pense que le contenu, par contre, qui en résultait, était bon. J'étais toi content quand même de ce contenu, quoi. On a fait quand même des trucs en 2023, genre la Baldur's Gate, même si elle a pas bien marché, moi je suis très content de ce qu'on a fait. IRL, on s'est éclaté, c'est juste dommage ça n'a pas marché en stream. Et c'est pareil pour la... comment dire... la LAN Diablo, pour le coup, elle a marché et c'était giga fun. Allez. Putain, pourquoi ça tire pas? Quel enfer. Ah, ils sont longs à sortir les sorts, hein. Ils font tellement mal, mais ils sont... Allez. Ça tire pas, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'empêche de tirer, je crois que je me fais knockback en fait, je crois. Il y a un truc, quelque chose m'empêche de tirer. Il est où le boss, attendez. Ok. J'ai rien vu, mais tout est mort. Trop bien. Franchement, c'est grave stylé ce 2. Ok. Il y a eu un gros bloom, j'ai eu plein de dégâts, j'ai pas tout compris, mais tout est mort. Que demander de plus. Mais oui, c'est vrai que pour vous, bah... c'est un peu toute la... en fait, c'est un peu toute la frustration, c'est vrai que... les viewers, vous voulez des streamers pros, enfin, qui sont... quand je dis pros, c'est dans le sens qu'ils sont présents et tout, et qui font du bon stream, mais à côté de ça, vous prenez pas... c'est vrai que c'est là où c'est l'injustice, en fait, mais... enfin, c'est injuste, mais d'un autre côté, vous n'avez pas à être responsable de ça, soyons très clairs. Hein. Je ne suis pas comme certains streamers où les viewers sont un problème. Non, c'est le système, hein, le système de streaming qui veut ça. C'est qu'en gros, plus un streamer est riche, et quand je dis riche, on va dire indépendant financièrement, il n'y en a rien à foutre de l'argent, meilleur sera le stream. Meilleur sera le stream parce que résultat, il n'y a aucune pression sur les stats. Moins de pression sur les stats, plus tu es libre de faire ce que tu as envie, et puis basta. Le problème, c'est que on a besoin, quand on veut progresser dedans, on a besoin de ces stats. On a besoin de ces stats pour négocier des OP, pour progresser sur la plateforme, pour pouvoir en vivre et donc s'impliquer de plus en plus et créer, et logiquement créer des choses. Sauf qu'on est un connard, qu'on appuie on, puis basta. Bon. Et à côté de ça, sauf que ça n'intéresse pas du tout l'audience. Je comprends pourquoi ça n'intéresse pas l'audience. Mais ça... sauf que ça m'a beau ne pas intéresser l'audience, bah... sans ça, en fait... y a pas de stream, quoi. Donc l'audience perd son des streamers qu'elle apprécie et les streamers ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire alors que ça marchait avant. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Hop. On va attendre. On va faire celle-ci en bout. Ah, oh, quoique, attendez. Le 112, il tombe où déjà? Tiens, on va aller le farmer du 112. Il m'en fout des compos en plus. C'est le 112, hein, Calcium Citium, je crois. Ah, j'en ai déjà 6, ceci dit, hein, putain. Alors, attends. Schéma de fibre. Schéma de nanotube. Schéma de syncytium. J'en ai plein, putain. Nanotube, ok, ouais, non, j'ai tout ce qu'il faut. Balek. On va attendre tranquillou. Nous allons donner un 2 après. Dans un monde idéal, en fait, on pourrait streamer et juste... enfin non, même pas, parce que c'est normal aussi après qu'on s'allait prendre des stats, donc pas en solution. Bref. Ou c'est peut-être la problématique d'avoir voulu faire d'une mutation un métier. Je parle pas pour moi, mais en général. C'est ça, mais au final, ça serait pas normal. Parce que le problème, à la limite, peu importe le jeu,
Le problème, c'est qu'à côté de ça, tu vois, il y a des streamers, il y en a un actuellement sur TFD, qui sont ravagés complets, et qui te disent « Ouais, mais moi, je stream beaucoup, donc je dois gagner de l'argent. » Ah non, ça marche pas comme ça, tu vois. C'est pas parce que déjà tu streams beaucoup que tu dois gagner quoi que ce soit, même pas un seul centime. Tu peux streamer pendant 18 heures de la merde. Donc GG, tu vas streamer, je connais deux, trois streamers comme ça, qui sont vraiment en mode, en gros, qui se basent sur leur heure de stream. C'est-à-dire que même quand je streamais beaucoup, ils streamaient beaucoup plus que moi, ces mecs-là. Mais à un point, genre à être à 12, 14 heures par jour, tous les jours, tu vois, ils ont que ça dans la vie. Pas de meuf, pas de potes, pas de mec, rien. Rien du tout dans la vie. Sauf que c'est pas... ce n'est en aucun cas un prétexte, en fait, à gagner de l'argent. Et je refuse que ces mecs-là gagnent de l'argent, surtout. Je suis ravi, même toi, qu'ils en gagnent pas, c'est connard, mais c'est vrai. Parce que quand t'es un gros connard toxique, c'est bien fait pour ta gueule, tu gagnes pas de thunes, quoi. C'est que le système marche pas si mal, personne peut t'empêcher de streamer beaucoup, mais ça ne doit pas non plus impliquer le fait que tu gagnes beaucoup d'argent. Ou bien quelconque somme. Donc c'est là où c'est bien fait aussi. La problématique, c'est que le pour monter, vraiment le secret hein, pour monter, c'est globalement, en tout cas je sais pour moi, c'est de la patience. Beaucoup de patience. Être capable d'ignorer les gogoles, ne jamais envoyer chier les gens, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire pas être complètement plat, mais genre au pire t'ignores, tu bannes dans l'ombre vite fait, tu le dégages. Ou quand c'est pas un gogol, juste avoir des accords n'est pas un problème. Moi je parle vraiment des gens très très cons. J'en ai, si vous voulez, j'ai les petits commentaires TikTok, c'est toujours drôle. Et voilà, c'est vrai que si t'arrives à ignorer ça, t'es un minimum éloquent, c'est facile. Moi je sais que j'y arrive pas, c'est ça me... Les gogoles quand je les vois sur mon chat, à la limite c'est plus facile quand t'as beaucoup de monde, mais il faut bien atteindre cette notion où t'as beaucoup de monde, parce que comme t'as le chat qui défile, le message disparaît. J'ai pu le voir hein, quand j'étais en... Quand j'ai eu les OP First Descendant, on était 2, 3000, 4000 et tout le bordel. Même dans le passé, hein, j'ai déjà eu plus de 1000 viewers, pas mal de reprises. Le chat défile, et c'est vrai que là, au final, ça aide à être plus patient. Quoi. Ouais, mais alors, ça, généralement, ça marche jamais, Nerzel. Les mecs, ils se forcent à streamer des jeux, ou alors ils vont avoir un peu d'audience, mais ils auront pas de sub, rien, parce que... Ça, pour le coup, sur Twitch, ça s'est quasiment toujours ressenti. Attends, deux secondes, j'ai un petit problème. Ah, je vais pas y arriver. Je vais rater la mission. Peut-être pas. Ah, je l'ai fait pile poil, je crois. Eh non, raté. Et merci Luxurious pour le 10e mois d'abonnement. C'est-à-dire que je connais quasiment aucun streamer. Ou alors ils vont le faire day one, tu vois, effectivement. Mais ils restent pas sur le jeu. Ils vont juste aller. Alors, ça, par contre, les suceurs de like day one, ça y en a plein. Ça, effectivement. Bon. Mais c'est de l'audience très éphémère, ça t'apporte rien à ta chaîne. Je veux dire, demain, littéralement, je peux être à 1000-2000 viewers. Même pendant une semaine, allez, dans une semaine c'est beaucoup, pendant une journée complète, ça n'aura aucun impact sur ma chaîne positif ou négatif, hein, ça n'aura juste pas d'impact sur la chaîne, faut le savoir. Je suis la quête principale pour l'instant, Mota. Et le jeu, le tu devrais, c'était un énorme backseat, c'est un ban ça. Pas un ban life, Mozart, mais je déteste ça. Les tu devrais, c'est la meilleure manière d'être ban de ce stream. Ça, c'est jamais. Je fais ce que je veux quand je veux. Selon très clair, il n'y a pas de tu devrais qui marche ici. Hein. Attendez, j'ai une idée. On va faire un truc. Tac, comme ça, ça devrait marcher. On aligne. Recevoir des informations de QG. Oui, pour le coup, je connais. Si on va. En fait, ce qui est bien, c'est que. Je connais pour le coup certains des streamers. Vous avez avec des trucs comme StreamChart. Hein, attends, hop, voilà. Si tu regardes aujourd'hui, là, les streamers qui sont. Alors que lui, donc actuellement, lui, il est à la homepage, ok. Là, les streamers, donc, qui sont dans le carousel de Twitch. Regardez, ils ont déjà pas beaucoup d'audience. Hein, 66, 57, 59. C'est vraiment pas du gros streamer, hein, 156.
ces gens-là ont moins d'audience et je vous parie qu'ils ont aussi moins de subs que moi. Oui, mais la visibilité, ça fait pas tout, Nirzol. En fait, la visibilité, elle ne marche que si elle est organique. Et le mot organique, il est vachement important. Attends, Laure. C'est vrai qu'en gros, la seule visibilité qui importe Nirzol, c'est quand tu vas être mis en avant dans une catégorie spécifique où tu es toi-même, on va dire... Ok, j'ai un exemple de visibilité organique. Attends, j'attends juste le blabla et je mets une idée. Hein. Ok. Imagine, t'es un streamer, parce que j'ai l'exemple du passé. T'es un streamer WoW, d'accord ? Tu es mis en avant comme ils l'ont fait dans le passé. Fun fact, si j'avais continué Diablo, on me l'avait proposé. Voilà, si j'étais toujours streamer pro sur Diablo, ça aurait quelque chose qui aurait pu arriver. Ça aurait pu être très drôle parce que je sais que ça en aurait fait rager dans le passé, mais bon. Tu peux être mis en avant sur le launcher Battle.net. Ça, c'est une visibilité qui marchera. Même si elle est éphémère, elle marchera parce que ce sont des gens qui veulent voir du Diablo, ou du WoW, hein, peu importe, mais donc du Diablo, du WoW, qui sont sur le launcher WoW, et donc qui vont trouver des streamers sur le jeu lié. Là, sur le carrousel, c'est tu connais pas la personnalité de la personne, tu ne connais pas le jeu auquel il joue, enfin, tu sais pas forcément ce que tu suis, tu vois. C'est pas du natif, donc ça ne va quasiment pas avoir d'impact. Là, aujourd'hui, dis-toi, j'ai eu deux streams à mon 4000 viewers avec la homepage, ça n'a eu aucun impact. Je n'ai aucun viewer quasiment qui est resté. J'en ai peut-être gardé un ou deux. C'est déjà toujours sympathique. Bonjour, Joe. Mais c'est pour donner une idée à quel point la visibilité non organique, ça n'a que peu ou pas d'impact. Tandis que si tu es mis en avant X ou Y manière dans un truc que tu maîtrises, où tu es déjà présent, tu as une légitimité, tu as une connaissance, etc., ça va déjà tout de suite beaucoup mieux marcher. Là, ça va avoir du sens. Je crois que j'ai gagné de l'argent, de la thunasse. Johan Ban Mozart, ouais, on va lui donner une bénéfice du doute. Sauf s'il a une follow ou pas. Hop. Alors, Mozart. Je sais pas si t'es toujours là. Pas de backseat. Le tu devrais, c'est niette. Je le dis, c'est un niette. Fun fact, hein, pendant... Ouh, 1 million. Pendant très longtemps, le mot devrait était ban de la chaîne. On ne pouvait pas l'écrire. Pendant plusieurs années. Personne me dit ce que je dois faire. Alors, tac. On regardera les trucs après. Ah putain, les filtres! Oh, j'avais pas vu! Oh, trop bien les nouveaux filtres de réacteur! Genre, il y a le crit et tout. Oh là là! Ok, c'est trop stylé. Oui, avec l'heure, ils nous ont mis très bien. Oh, les filtres de réacteur, c'est beaucoup d'amour, ça aussi. Hein. Pâche. Quel plaisir. Quel plaisir. Ah, attends, deux secondes, je check un truc. Je suis passé de clochard total à nouveau riche. Ah, ça redescend. Ouais, je suis à 1,7 million. Ça redescend vite quand même. Hein. Dès que tu fais un peu des trucs, ça redescend quand même très très. Attends, je check quelque chose. Ok, non, c'est bon. Ça va. Hop là. Alors, on va aller valider ça. Et on va avoir 1 million tous les jours, hein, Joe. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ça va faire plaisir aussi. Hein. Hop. Alors, Amon. Ah, Amon, oui, je me rappelle de lui. Il va être gentil. On n'a pas le message, c'est dommage. Oh, on est content, gros message, hein. Ah,
Oui, complètement, Vaidra. Lui, il sort totalement de Destiny. Hein. Pas de doute là-dessus. Alors, Alpha. There isn't much time. We have to hurry. Damn it. What are they planning now? Since we decrypted Aemon's message, we've been flooded with new information on the Vulgus. After we applied the new Vulgus encryption system to our surveillance assets, it's been non-stop. We now have crucial intel on the size of their forces, objectives, navigation routes, weapons, with more coming in. The most important part. Bah, il va peut-être récupérer ses pouvoirs, donc c'est en vrai, c'est envisageable pour la saison 2. Technology, the weapon that you and Haley dealt with. Pour une fois que je lis l'or là. The Vulgus are deploying forces to strategic points carrying this new weapon. The quarantine zone was only the beginning. Fortunately, now that we've cracked the new Vulgus encryption system, we can use the modified infiltration operations terminal to predict the targets of their attacks. Our problem is time and manpower. In order to respond to simultaneous attacks, we cannot deploy multiple descendants at the same time to protect one zone. Mais après, rien ne t'empêchera de progresser et d'enchaîner ton pote. In a worst case scenario, a single descendant might have to manage the protection of multiple zones simultaneously. Our enemy must be aware of that as well. This invasion appears to be a long-term operation. But, descendant, if we use the enemy's own strength against them, we might be able to turn the tide of this battle, even with our limited resources. It seems that the Ancestor's weapon uses inverted Ironheart particles as its power source. If those particles can be recovered, they can be used to enhance the Descendant's inversion reinforcement device. Ah, il y a enfin les trucs d'invasion. Ah bah j'y compte bien d'avoir plein de trucs gagnés en puissance. Although this power is dangerous, I will keep an eye on you to make sure that you do not exceed your limits. So, Descendant, I'm counting on you to defend against enemy invasions. Ok. There is something I wish to discuss with you. Ah, maintenant on va aller voir Guide. Pas de souci. Il est quelle heure ? 16h. Ouais. Écoutez, je vais être raisonnable.